This event offers a unique opportunity to bring together researchers, academics, and participants from diverse backgrounds to collaborate, learn from one another, and inspire significant advancements. START 2023 is more than just a conference. It is a dynamic learning community and a nexus where ideas covers to forge extraordinary opportunities. Before we proceed, we would like to express our heartfelt gratitude to the conference chairpersons, coordinators, scientific committees, organizers, and participants also. Your dedication and invaluable contribution have been instrumental in making this event a success. We are eager to share this empowering experience with you and venture together into the realm of knowledge and innovation. We convene in a hybrid format, leading face-to-face sessions at Istanbul Zaim University with online communications, enabling a global audience to actively engage in the conference. May this conference be a beacon of inspiration, fostering faithful collaboration and discoveries that transcend disciplinary boundaries. For our international attendances in Istanbul, Turkey, we wish you a memorable stay, and to all an unforgettable experience at START 2023. Thank you. Thank you so much, Zakaria. Now I j'aimerais bien en fait remercier le professeur Kandile Mohamed. Je lui cède la parole pour l'atelier de theoretical and empirical research methodology, praxis and lessons learned. Thank you so much, Professor. Yeah, you can proceed, Professor. Thanks. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bien, on reçoit parfait. C'est parfait. Alors, juste pour signaler que la conférence sera en langue française. Au niveau donc de l'explication et par la suite, bien sûr, au niveau des débats, on pourrait par la suite transférer en termes de la langue française et anglaise. Alors, merci à toutes et à tous. Je remercie l'ensemble du comité d'organisation au niveau donc de la conférence hybride. Et donc, je remercie l'ensemble du comité d'organisation et des participants ici présents au niveau donc de cet atelier. Du workshop numéro 5 concernant la méthodologie de recherche théorique et empirique, pratique et leçons d'expérience. Alors, comme précisé au niveau donc, de la présentation, les points que nous aurons à voir au niveau de ce workshop, puisque c'est un atelier d'apprentissage, un atelier de formation, alors nous allons déterminer en fonction de deux axes. Un axe qui va parler sur la méthodologie de recherche théorique, dans lequel nous allons expliquer la problématique et le noyau de recherche. Par la suite, les références et la conception théorique, qui permet donc de savoir exactement comment essayer donc de chercher les différents éléments de source de référence pour réaliser une conception théorique de la problématique. Ensuite, un deuxième axe qui va parler en fait de la méthodologie de recherche empirique, à savoir la conception du cadre de l'étude empirique, la préparation et l'action au niveau du terrain et certains effets expériences dont j'ai pu tout simplement assister. Alors, je comprends qu'au niveau des participants ici présents, je sais qu'on n'est pas dans une seule spécialité, juste à préciser que je suis professeur de sciences économiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida. Et donc, je sais très bien en termes des participants, il n'y a pas que les sciences économiques, il n'y a pas que les sciences de management, il y a aussi l'ensemble des sciences sont ici présents. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau de ma présentation, sera une présentation standard, en fait, pour toute la recherche. C'est vrai que les recherches sont différentes par rapport à certains, mais j'essaierai, en fait, d'expliquer, de vous apporter, en fait, un élément en commun au niveau donc de la pratique de recherche théorique et de la pratique de la recherche empirique. Alors, pour commencer, je vais commencer par la pomme. Bon. Et je pense que c'est ce fruit-là qui va nous regrouper tous au niveau des recherches. Alors, quand je vois ce fruit, cette pomme, ma question est la suivante.
Quel élément de recherche je peux travailler sur ce fruit, sur cette pomme? Ou quel serait mon chemin de recherche pour étudier cette pomme? En fait, voilà. C'est l'étude de cette pomme. Parce que la recherche, toute recherche commence par une étude. Si je veux commencer une recherche, je dois d'abord étudier la chose. Je dois étudier le phénomène, l'objet dont je vais rechercher. Je sais que le concept recherche est vaste, mais la recherche est spécifique. Et quand je parle de recherche spécifique, il faut que d'abord, je dois savoir de quoi je dois rechercher. Donc, ça veut dire que je dois me baser sur un objet, un phénomène, une situation dans lequel je dois commencer. Et là, je donne l'exemple de la pomme. Par exemple, moi, la pomme, je peux faire une étude sur sa couleur. Je peux faire une étude sur la couleur de la pomme. Ça veut dire que là, on est face à un chemin de recherche sur l'aspect de la couleur de la pomme. Je peux faire une recherche sur la forme de la pomme. Là, on aura un chemin de recherche sur la forme, sur la conception de cette pomme. Par la suite, je peux faire tout simplement une recherche sur le goût de cette pomme. Le goût, et là, je comprends qu'il y aura des éléments de composants chimiques sur la conception du goût de la pomme. Par contre, un littéraire peut nous parler d'une histoire, d'un effet romancé de la pomme. Un historien qui veut faire de la recherche dans l'histoire, il peut faire la recherche de l'histoire de la pomme. Comment la pomme est arrivée dans telle ou telle région, ainsi de suite. Le géographe, il peut rechercher ce qu'on appelle l'exploitation de cette pomme au niveau du territoire. Quels sont les territoires géographiques dans lesquels la pomme est exploitée. L'économiste, il peut faire une étude de la pomme sur le secteur économique, notamment commercial, en termes des exportations de la pomme, des importations de la pomme, de l'exploitation, de la fabrication de la pomme, de la transformation de la pomme, ou plus ou moins de la gestion d'une entreprise qui exploite la pomme. On peut aller vers même d'autres éléments, éléments de la science, comme les philosophes. Un philosophe, en termes de la recherche philosophique, il peut nous parler, bien sûr, de la pomme et quelle est sa valeur, sa conception au niveau de l'humain, comment l'être humain peut appeler en termes de valeur, en termes de fondement, est-ce que la pomme est une pomme, la pomme représente tout simplement l'espoir, la vanité, ou représente tout simplement la richesse. Donc voilà, on est face à des conceptions philosophiques et dans lesquelles on peut mener une recherche philosophique sur la pomme. Pour vous dire que la recherche, c'est justement à spécifier, je reprends le concept parce qu'on parle de la recherche scientifique et non pas de la recherche tout court. La recherche scientifique demande à ce qu'on prend un chemin de positionnement, de recherche bien spécifique sur un élément vaste ou un élément problématique. C'est pour cela que quand on veut faire de la recherche scientifique, il faut être précis. On demande à ce que le participant soit précis sur l'élément dont il veut rechercher. Et donc, pour comprendre, il faut d'abord comprendre la méthodologie de recherche théorique, c'est-à-dire la base de la conception de la chose. Il faut que je comprenne ce que c'est que cette chose. Il faut que je comprenne ce que c'est que la situation, le phénomène. Donc, il faut que j'ai cet aspect, en fait, de conceptualisation, d'explication, de description, pour comprendre exactement, d'abord, quels sont les éléments posés au niveau théorique et quelles sont les conceptions déjà déterminées pour ensuite mener une recherche fondamentale ou une recherche scientifique pour l'avancement au niveau de la recherche. Donc, pour commencer, et on commence toujours par ça, pour comprendre, c'est la problématique, et donc le problème sur la chose. On avait dit qu'au niveau de la pomme, je prends toujours l'exemple de la pomme a un goût différent. Un goût différent, donc pour moi, un goût amer ou un goût sucré, donc la pomme a
un problème sur une exploitation dans laquelle, voilà, une pomme est amère et juste la pomme qui est à côté, elle est sucrée. Alors, il y a un problème. Donc, ça veut dire que derrière ce problème, je dois dégager plusieurs problématiques. Il y a plusieurs problématiques pour un problème. Un problème situé dans n'importe quelle situation, que ce soit économique, biologique, chimique, physique, ou n'importe quelle science, un problème justifie plusieurs problématiques. Et au niveau de cette problématique, il faut choisir une seule problématique. Au niveau de la recherche, surtout au niveau de la recherche doctorale. Après, pour des recherches beaucoup plus avancées, on peut effectivement marier deux problématiques ou essayer donc de relier deux problématiques pour répondre à un problème. Donc, ce qui fait, pour un seul problème, on peut avoir plusieurs problématiques. Je peux parler de la problématique tout simplement du goût. Je peux parler de la problématique de la couleur, de la problématique pour dire que la problématique est une question qui fait la présentation d'un problème sous différents aspects posés sur une forme affirmative ou de questionnement. Autrement dit, on se demande la question, pourquoi la pomme a un goût amer? Pourquoi la pomme a un goût sucré? Pourquoi la pomme demande à ce que elle fleurit pendant 3 mois ou 4 mois? Donc, il y a des raisons d'être pour qu'on puisse tout simplement déterminer la recherche de l'idée du problème. Voilà. Et là, j'ai donné un exemple de problème. Et également, là, je donne des exemples sur certains aspects. Par exemple, l'absentéisme pour des raisons médicales semble augmenter dans les banques marocaines. Un problème. Là, on est face à un problème. Dans les banques, d'accord, on va dire, il y a de l'absentéisme, le personnel est absent, mais pour des raisons médicales. Alors là, pour moi, si je suis responsable au niveau RH, je peux demander à ce que c'est un problème. Le chercheur va essayer de savoir quel est ou quelles sont les résolutions de ce problème à travers la problématique. Et il doit choisir une problématique pour mieux déterminer cette problématique. Attention, l'erreur que tout chercheur peut essayer de faire, c'est de travailler sur plusieurs problématiques, alors que la raison scientifique, c'est de travailler pour une seule problématique. Il faut d'abord cerner une seule problématique pour passer à la deuxième problématique. Et donc, ça veut dire que il est préférable qu'un chercheur travaille seulement sur une seule problématique et il puisse tout simplement travailler l'ensemble des paramètres de cette problématique. Alors, avant de trouver la problématique, il faut identifier le domaine dans lequel le problème est situé. Donc, ça veut dire qu'on doit déterminer un noyau principal de la recherche. J'appelle ça un noyau principal. C'est très important. Chacun d'entre vous, ou chacun au niveau de votre recherche, que ce soit en histoire, en géographie, en mathématiques, il y a toujours un noyau dans lequel vous vous centrez. Par exemple, je peux dire que au niveau, on va dire physique, il y aura tout simplement des chercheurs qui vont travailler sur la lumière particulièrement. Donc, la lumière en elle-même, pour lui, c'est le noyau principal. Après, bien sûr, il y a plusieurs spécificités de la lumière dans lesquelles il va travailler. Mais je sais très bien que les références théoriques dans lesquelles il va rechercher, c'est la recherche au niveau des aspects de la lumière. Par exemple, en économie, on pourrait avoir tout simplement des chercheurs qui vont travailler sur le développement durable au niveau, bien sûr, des opérations d'exportation, des opérations d'importation. Ça veut dire que là, la recherche est, ou son noyau principal, est particulièrement les opérations en termes de développement durable. De développement, on peut trouver un chercheur au niveau managérial ou au niveau du management qui va travailler sur tout simplement la responsabilité sociale des entreprises. Donc son noyau, c'est surtout le côté d'économie sociale. Autrement dit, pour toute recherche, que ce soit pour toute science confondue,
il y aura toujours un noyau du cadre théorique dans lequel vous vous concentrez, vous centrez toute votre recherche théorique ou vos références théoriques sur ce noyau. Après, bien sûr, au fur et à mesure du temps, vous allez spécifier effectivement la problématique en fonction d'un noyau spécifique. Mais on commence toujours par un noyau principal du cadre théorique qui sera lié au noyau principal du cadre empirique. Parce que ça, il faut le comprendre. Quand on dit la recherche scientifique, ben, tout simplement, il faut expliquer ce qui fait que l'élément théorique explique l'élément réel, c'est-à-dire l'élément du terrain, c'est-à-dire l'élément de la situation effective. Donc, on est dans la réalité, on n'est pas dans le fictif. Et donc, ce qui fait que la recherche scientifique, elle est pour le moins une recherche qui doit justifier ce qui a été expliqué, ce qui a été décrit, ce qui a été déterminé au niveau de la situation réelle, pour que ça soit pour un aspect purement scientifique. Et donc, le noyau permet de limiter le cadre de recherche et d'avoir de multitudes d'orientations, de problèmes et de faire le choix de votre problématique. Pourquoi ? Parce que vous êtes limité par le temps. N'oubliez pas, surtout pour les chercheurs en doctorat, le temps pour la recherche en doctorat est limité. Donc, ce qui fait qu'il va falloir réfléchir également sur le choix de votre noyau pour mieux faciliter la recherche référentielle ou la recherche théorique et ne pas être escaladé par un ensemble d'ouvrages et un ensemble de références dans lesquelles vous n'avez même pas le temps pour le lire. Et en plus, ça va consommer plus d'énergie de votre travail. Et ça, c'est très important. Il faut un chercheur, et purement un chercheur scientifique, c'est un chercheur également qui organise son temps, qui organise son travail de recherche. Et donc, voilà un exemple sur le noyau du cadre théorique et le noyau du cadre empirique, tout en prenant l'exemple dont j'ai cité sur l'absence du personnel dans les banques. Ici, le noyau principal dans lequel je dois mener ma recherche, c'est un noyau dans lequel je vais chercher les références sur l'absentéisme, c'est-à-dire l'absence, donc la gestion de l'absence. Donc, je vais voir tout simplement les références théoriques, que ce soit au niveau des articles scientifiques ou des ouvrages, ou des éléments qui m'apporteront des informations sur l'absence au niveau du personnel, au niveau des entreprises. Et donc, le lier, cette absence, à un noyau empirique dans lequel je travaille sur la banque. Quand vous dites la lumière, au niveau de la lumière, par exemple, je travaille sur la lumière concernant tout simplement le soleil. Je peux travailler sur la lumière de l'électricité. Je peux travailler la lumière sur le feu. Le feu peut projeter de la lumière. Donc, ça veut dire que pour moi, je vais déterminer tout simplement un noyau empirique qui est lié à son noyau théorique. Voilà. C'est très important pour avoir une recherche structurée avec une démarche qui fait le lien entre ce que vous avez expliqué au niveau théorique et ce que vous déterminez au niveau empirique. Et donc, rédiger une problématique, elle est sous forme de question. La question permet tout simplement d'avoir des éléments de réponse. On veut avoir une réponse. La question nous amène à des réponses. Et donc, ici, un exemple, on a dit, voilà, quels sont les outils et les méthodes que doit appliquer une banque marocaine pour réduire l'absentéisme du personnel, par exemple. S'il vous plaît, là, j'essaie de calquer un exemple au niveau managérial, mais c'est la même conception au niveau des autres sciences. C'est-à-dire qu'il faut poser une question qui reflète le sujet dans lequel vous voulez chercher. Et donc, là, j'aimerais savoir quels sont les outils et les méthodes que doit appliquer une banque marocaine pour réduire l'absentéisme du personnel. C'est une question qui nous apporteront plusieurs réponses. Et bien sûr, ces réponses seront transformées en forme d'hypothèses. Voilà, les réponses supposées, hein, ce sont des réponses non pas encore justifiées, mais c'est des réponses supposées qu'on va essayer donc de vérifier sur la réalité. Donc, ce sont des réponses qu'on appelle tout simplement des hypothèses, des suggestions. Peut-être que A plus B est égal à C, ou peut-être que A plus C est égal à B. Donc, on se pose des suggestions. Des éléments de réponse, mais qu'on essaiera par la suite de vérifier au niveau de la réalité pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que
c'est à infirmer ou à retransformer. Et parfois, les éléments de réponse, on peut les trouver au niveau théorique, mais il va falloir les vérifier au niveau empirique, au niveau terrain. Parfois, la problématique, elle peut s'exprimer au niveau d'un texte affirmatif. Ça, elle se fait pour le moins de manière à ce que le contexte et le paragraphe soient bien définis, mais plus généralement, une problématique bien définie, c'est une problématique qui est sous forme de question. C'est très important ce point-là. On pose la question, pourquoi? Parce qu'un chercheur doit rapidement savoir le cadre de sa problématique. Alors, la problématique doit être représentative du cadre théorique et doit être représentative également du cadre empirique. Parce que moi, quand je vais faire de la recherche au niveau de l'absence du personnel, je vais le faire au niveau des banques. Je n'ai pas dit que je vais le faire au niveau des administrations publiques. Je n'ai pas dit que je vais le faire au niveau des entreprises agricoles. Non, j'ai spécifié que je vais essayer de chercher c'est quoi, pourquoi il y a de l'absence du personnel dans les banques. Donc, je parle des banques. Et je peux encore une fois, avec le temps, bien sûr, avec les recherches empiriques, je peux spécifier la banque. Je peux dire la banque commerciale ou je peux voir l'absentéisme dans les banques participatives. Voilà. Ça, je peux le spécifier au niveau empirique, mais ça reste toujours le noyau empirique pour vous, c'est la banque, c'est l'institution financière. D'autres peuvent voir des institutions publiques, par exemple, ainsi de suite. Donc, la problématique initiale, on a une problématique initiale de départ, et ensuite, à la fin, bon, disons 2 ans à peu près, hein, ça dépendra de votre capacité de recherche et d'organisation au niveau terrain et au niveau de votre lecture, que la problématique sera définie par la suite. On commence toujours par une problématique initiale qu'on essaiera à travers la lecture de spécifier la problématique qu'on a déterminée au départ. Et après, on aura une problématique purement spécifique. Et donc, les réponses à la problématique ou les différentes réponses à la problématique sont appelées des hypothèses. On appelle les hypothèses de recherche. L'hypothèse est une réponse à la question du chercheur que le chercheur doit se poser. Et donc, le chercheur va se baser sur ces hypothèses. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus sur le nombre d'hypothèses ou le volume d'hypothèses. Attention. Parce que qui dit hypothèse, qui dit également travail de recherche pour résoudre cette hypothèse. Ça veut dire qu'on conseille les chercheurs également de travailler sur des hypothèses limitées. Sur des hypothèses limitées de la problématique. Ça veut dire que vous avez une problématique, mais ça ne veut pas dire que vous devez travailler sur toutes les hypothèses qui permettent de répondre à cette problématique. Non. Vous pouvez tout simplement répondre à 3 hypothèses, à 2 hypothèses, selon, bien sûr, la problématique. Mais il faut limiter le cadre des hypothèses, parce que sinon, n'oubliez pas, vous êtes limité pour le cadre du temps. Vous êtes limité au niveau du cadre du temps. Et donc, ça veut dire que pour moi, l'hypothèse ou la détermination des hypothèses doit être cadrée, doit être limitée en fonction, bien sûr, de mon cadre empirique et de ma recherche organisationnelle au niveau théorique. Donc, ça, c'est très important. Donc, hypothèse principale et on a des hypothèses spécifiques. Parce que dans une hypothèse principale, on peut avoir plusieurs hypothèses particulières. Je donne un petit exemple. Toujours sur l'exemple de l'absence du personnel dans les banques, l'absence du personnel diminue dans une banque marocaine lorsque celle-ci utilise des outils et méthodes de veille salariale. Ça, c'est une hypothèse principale. La problématique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que quels sont les outils et les méthodes qui permettent tout simplement de réduire l'absence du personnel dans les banques. Alors, professeur, je donne une réponse. Je me permets de vous interrompre juste pour une petite demande. Est-ce qu'il y a un moyen de mettre la présentation en mode diaporama? En fait, le mode diaporama, juste pour vous expliquer, je viens de tester. Si je le mets en mode diaporama, il se bloque. Ah oui. Quand je vais défiler donc, les diapos qui vont venir, il va se bloquer sur le premier diapo. Et quand j'ai testé. Quand j'ai testé sans diaporama, ça se défile plus rapidement. C'est juste question pour mieux. Voilà. D'accord, merci infiniment. Voilà, merci. Alors, je continue. Donc, on a une hypothèse principale qui est la solution.
La question est la suivante. Je reprends en fait la problématique. Je reprends le problème d'abord. Le problème, il y a de l'absence du personnel dans les banques. Alors, ma problématique, quels sont les outils et les méthodes qui permettent de réduire l'absence dans les banques? Ça, c'est la problématique qui représente le problème. L'hypothèse, c'est une partie d'une solution qui pourra apporter, c'est un élément de solution qui pourra apporter à la réponse de la problématique. Alors, comme hypothèse principale, l'absence du personnel diminue dans une banque marocaine. Qui l'a fait diminuer en utilisant les méthodes et les outils et les méthodes de veille salariale. OK. Alors, dans cette hypothèse, on peut avoir des sous-hypothèses, c'est-à-dire des sous-réponses qui répondent à l'hypothèse principale. Par exemple, la planification salariale, c'est-à-dire le calendrier en fait, des entrées et des sorties au niveau des salariés, peut diminuer l'absence du personnel, c'est-à-dire de mettre un calendrier, une planification pour chaque salarié. Et ça permet de diminuer l'absence du perso. Et là, attention, c'est une réponse, mais elle n'est pas encore vérifiée. Je dois la vérifier au niveau empirique. Je la pose, mais je la vérifie au niveau empirique. Sachant que l'hypothèse, soit c'est une hypothèse que j'ai déterminée moi-même, soit c'est une hypothèse que j'ai prise en termes des références que d'autres chercheurs ont déterminées avant et qui ont montré que ça a diminué. Mais moi, au niveau marocain, je dois voir est-ce que ça va diminuer chez moi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous avez l'hypothèse numéro 2, la sous-hypothèse numéro 2. L'absence du personnel se réduit par le suivi des pièces justificatives d'absence. Voilà. En faisant le suivi des pièces justificatives d'absence, ça permet de réduire le personnel ou l'absence du personnel. Pour savoir la pièce justificative, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je dois le vérifier au niveau empirique. Un programme de changement réduit le nombre d'absences des salariés de la banque. Alors, juste grosso modo, pour résumer un peu ce que c'est que l'hypothèse principale, l'hypothèse sous-hypothèse, l'hypothèse principale, c'est une des réponses à la problématique, à la question que vous avez posée. Et la solution ou l'une des réponses peut avoir des sous-réponses qui permettent de représenter cette réponse principale. C'est pour cela que j'avais précisé aux jeunes chercheurs en doctorat de tout simplement délimiter le nombre d'hypothèses dans lesquelles vous allez travailler. Et attention, c'est pour toutes les sciences. Le nombre d'hypothèses doit être délimité parce que sinon, les hypothèses, juste pour vous le dire, vous pouvez tomber sur une problématique dans laquelle des hypothèses sont illimitées. On peut avoir plusieurs types d'hypothèses. Et alors, qui dit plusieurs types d'hypothèses? Qui dit plusieurs éléments de terrain, plusieurs travail et organisations terrain, plusieurs données et bases de données à récolter, et également un travail planificateur sur l'ensemble des outils de travail au niveau quantitatif ou qualitatif. Donc, vu la contrainte du temps, donc, il va falloir réfléchir sur le nombre d'hypothèses dans lesquelles vous aurez à utiliser pour répondre à votre problématique. Alors, c'est pour cela qu'on parle d'une démarche par hypothèse. Une démarche par hypothèse déductive qui permet tout simplement d'avoir tout simplement des aspects théoriques qui nous permettront par la suite de déterminer certains éléments de réponse pour à la suite définir au niveau empirique. Vous devez comprendre que cet aspect d'observation et d'expérimentation, c'est un aspect déductif. Un aspect dans lequel je dois préciser les sciences, c'est ce qu'on appelle les sciences particulièrement exactes, ou les sciences, pour le moins, qui utilisent des mesures, vont utiliser cet aspect de déduction, d'approche positiviste de la réalité. Voilà. C'est-à-dire que je me base sur un aspect de conception théorique pour ensuite essayer de voir est-ce que ceci qui a été déterminé au niveau de la réalité. Mais au niveau scientifique également, on peut commencer par l'expérimentation pour déterminer l'aspect de la connaissance ou l'aspect de la théorie. On peut prendre le chemin inverse. Mais au niveau des sciences sociales, des sciences humaines, là, l'approche contient une approche scientifique, à la fois positiviste, mais elle contient une approche beaucoup plus interprétativiste, beaucoup plus constructiviste.
pour le moins, essaie d'interpréter la réalité, d'interpréter des éléments qui ne sont pas encore existants. En économie, on peut le faire. Au niveau de certaines sciences, on peut appliquer cet aspect, notamment au niveau des sciences sociales, notamment au niveau des sciences du droit, des sciences juridiques. Ça veut dire qu'on peut travailler sur des aspects qui ne sont pas encore existants, mais qui pourraient apporter en termes donc, d'aspects de représentation ou de simulation, on va dire. Mais pour les sciences, physiques, biologiques ou mathématiques, physiques, biologiques, des sciences qui doivent appliquer la réalité, là, ça ne peut pas s'appliquer. L'aspect fictif ne peut pas s'appliquer sur ces sciences. Par contre, dans les sciences sociales, on peut aller vers des aspects qualitatifs, beaucoup plus quantitatifs. C'est là la différence au niveau donc, des recherches au niveau scientifique. Donc, les variables de recherche, c'est l'explication au niveau des mesures. On avait parlé de mesures, que ce soit quantitatives ou qualitatives. Mais c'est des paramètres. Et les paramètres sont représentés sous forme de variables. Quand je dis variables, c'est des paramètres qui changent, qui peuvent changer, qui ne sont pas fixes, qui peuvent avoir une certaine transformation, un certain développement, une certaine influence. Et donc, le paramètre joue un rôle très important pour les calculs, pour les mesures. Et donc, il faut comprendre qu'il y a trois types de paramètres au niveau de la recherche. Vous avez la variable dépendant, ou à expliquer, qui est le noyau principal. Regardez, c'est ce que vous voyez ici au niveau de l'absentéisme. L'absentéisme, pour moi, c'est mon noyau principal de recherche. Donc, c'est ma variable dépendante. Et elle dépend de quoi? Elle dépend de variables indépendantes, des variables qui sont extérieures au niveau du modèle, des variables dans lesquelles je dois chercher pour savoir est-ce que ces variables peuvent causer la variable dépendante ou l'influence sur la variable dépendante. Donc, ce sont des variables explicatives. Et regardez, on peut avoir un paramètre qui est à la fois une variable dépendante et à la fois une variable indépendante. Par exemple, je m'explique, l'absentéisme est provoqué, ou plutôt peut être diminué par les méthodes de veille salariale. Donc, on peut dire que les méthodes de veille salariale peuvent tout simplement avoir une influence sur l'absentéisme. Il permet de le réduire. Mais la méthode de veille salariale, il peut avoir également une influence sur le changement, dans lequel le changement, le paramètre changement organisationnel est une variable dépendante. Par contre, il faut savoir que le changement peut réduire l'absentéisme, dans lequel le changement devient une variable indépendante. Et là, le lien entre les variables détermine les hypothèses. Chaque lien de variable que vous avez au niveau de variables dépendantes et de variables indépendantes exprime une hypothèse, soit positive, soit négative. Et là, vous avez une troisième variable que vous voyez ici, c'est la catégorie salariale. On appelle ça la variable de contrôle, ou plutôt la variable médiatrice. Ça veut dire quoi la variable de contrôle? Ça veut dire que c'est une variable dans laquelle je peux contrôler le modèle de variable dépendante et la variable indépendante. Par exemple, quand j'ai dit catégorie salariale, je peux voir l'absentéisme qui est causé au niveau tout simplement des techniciens. Je peux voir l'absentéisme qui est causé au niveau des cadres responsables. Je peux voir l'absentéisme qui est causé au niveau des ingénieurs qui travaillent dans l'entreprise. Le personnel de l'entreprise, il y a différentes catégories de personnel. Donc, ça me permet de catégoriser les personnels et de savoir chacune d'entre eux le modèle appliqué en termes de méthode et d'absentéisme. Voilà, ça veut dire que pour moi, d'abord, dans toute recherche scientifique, on a toujours une variable dépendante et on a toujours une variable indépendante. Sauf que on peut avoir plusieurs variables indépendantes pour une seule variable dépendante. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on travaille surtout sur une variable dépendante et savoir quelles sont les influences à travers les paramètres de variables indépendantes. Et donc, ça, c'est très important de comprendre ces paramètres pour expliquer, bien sûr, votre modèle de recherche. Maintenant, il est très important que votre recherche théorique et empirique suit une approche
ou une position paradigmatique sur l'épistémologie de votre recherche, c'est-à-dire quel est le sens de votre recherche, quelle est votre philosophie de recherche. Parce qu'en recherche scientifique, attention, hein, la recherche scientifique, je ne fais pas une recherche sans me baser sur une approche scientifique. Est-ce que vous faites du positivisme? Ça veut dire que vous essayez de déterminer un cadre déductif dans lequel vous commencez par la théorie et vous essayez d'expliquer cette théorie au niveau de la réalité et de voir est-ce que cette théorie est expliquée dans la réalité. Ça, c'est le cadre positiviste. C'est le cadre réel. C'est-à-dire qu'on ne prend en considération que les éléments qui existent. Voilà. Les éléments qui n'existent pas, on ne les prend pas en considération. On essaie de les étudier, mais on essaie de voir est-ce que ça existe. Ça existe, on infirme. Ça n'existe pas, ça existe, on confirme. Ça n'existe pas, on infirme. Et donc, c'est un aspect purement quantitatif. Et dans lequel on peut utiliser un aspect qualitatif, mais pour le moins, pour certaines sciences. Hein. Pour certaines sciences, on peut l'utiliser, notamment au niveau des sciences sociales ou des sciences économiques. On peut utiliser, bien sûr, des mesures à la fois quantitatives et à la fois qualitatives au niveau du positivisme. Par contre, au niveau des sciences mathématiques, des sciences au niveau chimique, biologique, des sciences qui sont exactes, c'est des sciences purement quantitatives, des méthodes purement quantitatives et non pas, pour le moins, qualitatives. Interprétativiste, là, c'est une deuxième approche dans laquelle, bien sûr, certaines sciences connaissent, pour le moins, l'interprétativiste, elle va essayer d'interpréter la réalité. Elle va essayer d'interpréter des éléments réels et irréels. Autrement dit, une approche qualitative, elle est purement pour comprendre la réalité. Et la réalité, elle se comprend à travers l'interprétation. Donc, ça veut dire que votre recherche de thèse de doctorat, par exemple, va suivre une approche d'interprétation de la réalité. Et là, elle ne suit pas une approche positiviste. Elle va suivre une approche plus ou moins à laquelle vous allez tout simplement travailler sur l'empirisme, c'est-à-dire le côté empirique d'abord, comprendre ce qui se passe dans la réalité pour l'expliquer par la suite. C'est l'inverse, en fait, du positivisme. C'est-à-dire que c'est l'inverse du positivisme. Vous essayez de comprendre la réalité d'abord pour essayer de comprendre ce qui a été expliqué au niveau théorique. Ensuite, vous avez le constructiviste. Le constructiviste, c'est-à-dire que vous construisez la réalité. Autrement dit, c'est une démarche inductive. Et dans lequel vous utilisez à la fois des mesures quantitatives et des mesures qualitatives. Et là, on comprend que la démarche constructiviste, c'est une démarche dans laquelle elle chevauche à la fois l'aspect théorique et à la fois l'aspect empirique. C'est pour ça que certaines recherches dans lesquelles on peut avoir, il y a des recherches dans lesquelles on peut effectivement appliquer des projets de points de recherche, des projets d'hypothèses. Pour chaque hypothèse, on détermine son aspect empirique et sa construction théorique. Et donc, on appelle ça du constructivisme. On construit la théorie, on construit la réalité. Donc, on construit un élément au niveau théorique dans lequel la base essentielle, c'est les données ou la base de données empiriques. Et donc, le cadre conceptuel et théorique de la recherche demande à ce que vous déterminez l'approche et les théories de votre noyau principal au niveau de votre problématique, les définitions des concepts, c'est très important, l'étymologie du concept, l'explication ou certaines interprétations au niveau de l'explication du concept, les descriptions, notamment au niveau caractéristique. Chaque concept a ses propres caractéristiques, a ses propres situations d'éléments paramétriques, et aussi des représentations. On peut avoir des schémas de conceptualisation, on peut avoir des schémas de statistiques qu'on peut utiliser au niveau conceptuel, et également des interprétations et des argumentations pour définir votre cadre théorique. C'est très important. À travers, bien sûr, l'aspect des chercheurs qui ont commencé bien avant votre travail et qui ont déjà déterminé certains aspects d'argumentation et certains aspects d'explication. Eh bien, on prend en base, on prend à la base ces explications qui ont été dues par ces chercheurs qui ont travaillé votre recherche avant vous et qu'on essaie tout simplement de les poser en termes de base théorique, de cadre de référence pour apporter notre apport
apporter notre rapport au niveau de notre explication, notre argumentation. Alors, le cadre conceptuel de recherche, le voici. On commence par la problématique et on détermine à travers cette problématique un noyau principal. Dans ce noyau principal, il y aura des concepts associés. Ces concepts associés, on va essayer de les chercher sur les références. On va trouver des références qui nous parlent sur le concept numéro 4. La référence numéro 1, regardez ici la référence R1, par exemple, va nous parler du concept 1 et du concept 3. Par contre, la référence ici que vous voyez peut nous parler du concept 2 et du concept 2. Deux références pour un seul concept. On peut avoir deux références qui nous parlent pour un seul concept. Par contre, on peut avoir un seul article. Quand je dis référence, ça peut être des articles, des ouvrages, ainsi de suite. Je parle des articles scientifiques parce qu'en termes de chercheurs ou chercheurs scientifiques, c'est la base de référence, c'est surtout les articles scientifiques. Alors, pour les articles scientifiques, on peut avoir des articles qui peuvent parler de trois concepts, pour le moins, ou d'un seul concept. Donc, il faut voir l'intitulé de l'article. Ça, c'est très important et je le dis au niveau des chercheurs. Il faut d'abord analyser l'intitulé de l'article avant de lire l'article. Ça, c'est très important. Donc, comprendre l'intitulé de l'article pour ensuite lire l'article. Et c'est pour ça que chaque article scientifique, il y a un résumé. C'est pour ça qu'on vous met un résumé. C'est très important. Ça permet rapidement de savoir ce qui est décrit dans l'article avant de commencer à analyser l'article. Ça permet d'optimiser votre temps. Si vous voyez que l'article n'apporte pas effectivement ce que vous avez besoin en termes de votre recherche théorique, ce n'est pas la peine donc de l'utiliser. Il faut passer à un autre article. Par contre, quand vous voyez un article dans lequel le résumé comprend exactement ce que vous essayez de chercher, c'est à ce moment-là que vous analysez l'article. Et c'est pour ça qu'on met des mots-clés. Pourquoi on demande au niveau des articles scientifiques qu'on met des mots-clés? On met des mots-clés parce que ça permet rapidement de savoir le concept, le noyau dans lequel vous essayez de chercher. Et parfois, bien sûr, on peut avoir des normalisations, des codes de normalisation de domaine au niveau scientifique pour savoir exactement la normalisation standardisée pour chaque domaine au niveau économique, au niveau managérial, au niveau scientifique, mathématique, ainsi de suite. Je prends l'exemple au niveau économique. Au niveau économique, il y a plusieurs spécialités. Quand je veux chercher au niveau de la croissance économique, il y aura un code. Quand je veux chercher au niveau du développement durable, il y aura un code. Quand je veux chercher au niveau managérial, il y aura un code, que ce soit pour les ressources humaines, que ce soit pour la comptabilité. Donc, ça veut dire que pour moi, la première des choses, c'est la lecture des codifications. C'est la lecture des codifications d'un article scientifique avant de lire même l'article, bien sûr, précité. Et donc, le contenu du cadre théorique demande à ce qu'il y a de l'histoire aussi. On peut avoir de l'histoire, de l'évolution, de la typologie, des catégories, des synonymes, des facteurs, et voire même tout simplement des chiffres et des données appliquées. Et donc, là, vous avez 10 principes d'action sur le cadre théorique. Je ne vais pas rester ici dans ce cadre, bien sûr, mais juste pour que vous puissiez comprendre que au niveau du cadre théorique, il faut que ça soit bien précis, bien délimité et bien cadré en fonction de votre problématique. Alors, voilà un petit exemple de l'aspect visuel, on va dire, de l'aspect visuel du cadre théorique. Le cadre théorique va comprendre, bien sûr, l'aspect des expressions, des explications et des affirmations de chercheurs qui ont pu déterminer l'objet ou qui ont pu déterminer le phénomène. Et donc, l'explication de ces chercheurs, bien sûr, on va se baser sur ces explications pour apporter notre argumentation. C'est ça le plus important. Notre argumentation, lorsqu'on le donne, l'argumentation, il doit être basé d'abord par un élément référentiel sur l'élément que vous voulez rechercher. Et bien sûr, on ne met pas n'importe qui. Ça veut dire qu'on ne met les chercheurs scientifiques dans le domaine. C'est-à-dire la recherche référentielle théorique se base sur des chercheurs compétents sur le domaine, des chercheurs qui sont vraiment dans le domaine de la chose. Et donc, et parfois, et également, on choisit également la revue référentielle de l'objet que vous voulez rechercher. C'est très important. Pourquoi? Pour avoir l'exactitude et pour avoir la conception exacte
scientifique de l'objet que vous voulez rechercher et ne pas tomber dans des exactitudes extravagantes qui sont déterminées par, non pas des chercheurs, mais tout simplement des personnes qui ont pu lire en fait l'objet, mais scientifiquement, ils n'ont pas l'expliqué, ça n'a pas été expliqué scientifiquement. C'est vrai qu'ils peuvent le lire, d'accord ? Ils peuvent avoir certaines informations, mais la base, il faut, en termes scientifiques, il ne faut pas se baser en termes de ces affirmations. Il faut se baser sur des affirmations purement scientifiques dans des revues qui font l'explication de votre domaine. Et ça, c'est très important. Alors, au niveau des sources et des références, bien sûr, le chercheur doit se baser sur des champs d'investigation qui sont connus au niveau scientifique et notamment les moteurs de recherche qu'on trouve également sur la partie Web of Science qui regroupe un ensemble d'articles, de revues scientifiques de toutes les sciences, hein, de toutes les sciences, et dans lesquelles c'est là où je peux m'approvisionner en termes de références pour ma recherche. Vous avez également les revues qui sont indexées Scopus, très important, et dans lequel c'est le champ, on va dire en termes économiques, c'est le marché en fait, là où je peux trouver bien sûr la référence scientifique dont j'ai besoin. Et donc, il y a d'autres aspects de référence, bien sûr. Pardonnez-moi. Il y a d'autres aspects de référence, il faut le comprendre, au niveau des chercheurs, qu'on peut se baser sur des ouvrages, bien sûr, pour le moins, juste pour compréhension des ouvrages, parce que les ouvrages, attention, les ouvrages, il y a des ouvrages de deux catégories. Il y a des ouvrages pédagogiques pour l'enseignement, c'est pour apprendre l'élément en termes d'enseignement, et vous avez des ouvrages scientifiques. C'est-à-dire, c'est un ouvrage, mais tout simplement, qui parle d'un élément de manière scientifique, d'un objet scientifique. On peut aussi parler de chapitres d'ouvrage, dans lequel vous avez un ouvrage dans lequel il est composé de plusieurs chapitres et qui comprend plusieurs articles. Ça, c'est très important. On peut avoir des articles scientifiques, bien sûr, au niveau de ce qu'on avait précisé au niveau de ces moteurs de recherche. Et vous avez les rapports et documents de travail, parce que ça, c'est très important. Des rapports de documents de travail dus par des institutions, que ce soit étatiques ou des institutions internationales ou des institutions comme au niveau des entreprises. On peut avoir des rapports et des documents de travail qu'on peut se baser en termes de référence. On peut voir également les thèses de doctorat qui ont travaillé également sur votre sujet et dans lequel on essaie de voir, de savoir l'explication. Parce qu'une thèse de doctorat qui a été déjà travaillée auparavant, il permet tout simplement d'avoir un aperçu général des concepts déjà. Ça permet de gagner du temps en termes de la recherche, d'abord, c'est vrai, et ça permet de développer votre recherche à vous pour passer à votre problématique. Donc, les thèses de doctorat, c'est un élément important pour commencer déjà à faire une lecture de compréhension, je dis, de compréhension de mon objet de recherche. Après, bien sûr, je peux aller vers des articles scientifiques et commencer vraiment ma recherche fondamentale, ma recherche vraiment théorique. Et donc, les thèses de doctorat qui ont été travaillées en termes d'objet de votre recherche est très important pour commencer d'abord. Ensuite, vous avez les communications scientifiques dans lesquelles on peut le prendre en considération, qui ont été présentées au niveau des colloques ou des conférences, ainsi de suite. Des articles, magazines ou journaux médiatiques, attention, c'est vrai, ça peut se baser en termes de référence sur des aspects pour le moins compréhensibles, de description ou d'éléments statistiques de référence moderne, c'est-à-dire actuelle, récente, mais pour le moins, ils ont une faible valeur scientifique. Juste pour vous le dire, il y a de faibles valeurs scientifiques, mais pour le moins, on peut tomber sur des articles, magazines spécifiques sur certains éléments qu'on peut avoir des données scientifique, mais qui nous fait référer à l'article scientifique. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer. Des affirmations de sites internet, officiels ou scientifiques, des informations sur enregistrement et audiovisuel ou des documentaires scientifiques. Parce que même les observations sur audio ou sur vidéo peuvent avoir un aspect de référentiel. Oui, effectivement, l'observation par vidéo ou la sonorification d'entendre un audio sur des explications peut être également un aspect de référentiel, mais qui est un aspect purement qualitatif et non pas quantitatif.
Alors, là, grosso modo, je viens de parler de l'axe numéro 1 concernant l'aspect théorique. Et synthétiquement, pour vous dire que l'aspect théorique est un travail d'organisation. D'abord, de compréhension de votre objet de recherche, et ensuite d'organisation, de planification de votre lecture. Parce que la méthode théorique ou la recherche théorique au niveau scientifique, c'est surtout l'organisation de votre lecture. Quand je lis un article scientifique, je vais pas le lire de A à Z. Non. Je vais essayer de lire les aspects en termes d'abord du résumé, de l'abstract, de voir exactement quels sont les éléments dans lesquels je vais me référencer, de voir l'aspect théorique de l'article, juste l'aspect théorique de l'article. Ça, c'est très important. Et pour le moins, les résultats et la méthodologie viendront par la suite, une fois que vous allez passer cet aspect en termes de méthodologie d'application au niveau des hypothèses. D'abord, il faut regrouper les éléments descriptifs de l'objet. Savoir quels seront, parce que les hypothèses dans lesquelles vous allez déterminer votre problématique dépendra des références que vous avez trouvées en termes théoriques et de la délimitation théorique. Alors là, un petit conseil que je vous donne, parce que même en termes du workshop, j'ai parlé bien sûr de pratique. Il faut comprendre que la théorie, parfois on peut tomber dans des objets théoriques qui sont illimités, hein, dans lesquels vous aurez plusieurs aspects théoriques, plusieurs référentiels, et dans lesquels, attention, votre recherche est délimitée non seulement dans le temps, mais il est délimité aussi de votre papier, le papier dans lequel vous rédigez. Parce que quand je dis le papier dans lequel vous rédigez, que ce soit pour un article scientifique, que ce soit pour une thèse de doctorat, il est limité en termes de pages. Et ça, il faut le comprendre. Ça dépendra également des sciences, des différents types de sciences. Mais pour des sciences, toutes les sciences, en fait, leurs thèses de doctorat sont délimitées. Il y a une certaine limite maximale à laquelle il ne faut pas dépasser. Il est vrai qu'au niveau mathématique, on peut avoir des thèses de doctorat de 10 pages, de 15 pages, on peut l'admettre. Chacun sa science. Mais au niveau économique, parce que je parle au niveau économique, en étant science économique ou management, une thèse de doctorat peut atteindre au niveau économique 200 ou 150, voire 300, ça dépendra des problématiques. Mais attention, on ne peut pas avoir 4000, on ne peut pas avoir 3000 quand même. On ne peut pas avoir 400, on ne peut pas avoir 500, 600. Ça, il faut le comprendre. Ça veut dire qu'une thèse de doctorat, c'est une thèse dans laquelle la délimitation des pages dépend de la spécification de votre problématique. Et plus la problématique est précise, et plus vos pages en termes de doctorat est délimitée. Et ça, c'est très important. Plus on voit une thèse de doctorat qui est délimitée en termes de la problématique, plus on voit que la personne ou le participant, le doctorant ou le chercheur, on va dire, a bien spécifié sa problématique. On le voit même au niveau donc du nombre de pages qui a été rédigé dans la thèse. Et ça, il faut le comprendre. Attention, je ne dis pas qu'il y a une normalisation précise sur le nombre de pages. Non, je parle que la normalisation du nombre de pages dépend de la spécification de votre problématique. Voilà. Et c'est elle qui délimite les paramètres, les variables que vous cherchez. Parce que les références sont délimitées en fonction des paramètres que vous avez cherchés. Si vous utilisez deux paramètres, si vous utilisez deux variables, ça veut dire qu'au niveau des références théoriques, je dois trouver deux variables, pas plus. On ne va pas m'expliquer trois variables, quatre variables, alors qu'au niveau de votre recherche, vous avez utilisé deux variables au niveau empirique. C'est-à-dire au niveau des calculs, vous avez utilisé deux variables. Alors qu'au niveau de la théorie, je trouve quatre variables, cinq variables. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut que la représentativité théorique représente la représentativité empirique. Ce que vous avez déterminé en termes de résultats, je dois le voir au niveau théorique. C'est ça le plus important. C'est une relation entre l'aspect théorique et l'aspect empirique. Et ça, il faut le comprendre en situation. Donc, le cadre empirique joue un rôle très important parce qu'il représente la réalité de justification de vos paramètres que vous avez déterminés au niveau des hypothèses et donc qui répondront à votre problématique. C'est de tester une ou plusieurs hypothèses. Et quand je dis plusieurs, bien sûr, il faut se délimiter hein, au moins à deux à trois hypothèses, surtout. Ça, c'est très important. Alors,
La relation, et là je l'explique, hein, je l'explique, c'est très important, la relation du cadre théorique et du cadre empirique est liée à votre relation du cadre méthodologique. C'est le cadre méthodologique qui fait le lien de ce cadre théorique au cadre empirique. C'est pour ça qu'on demande aux chercheurs, quelle est votre méthodologie? La première des choses qu'on essaie de voir, nous, en tant que chercheurs, on ne commence pas par la théorie, on ne commence même pas par l'empirique. Juste pour vous expliquer, on commence toujours par la méthode que vous avez utilisée. C'est grâce à la méthode qu'on puisse comprendre ce que vous avez fait au niveau théorique et au niveau empirique. Voilà. C'est pour ça qu'on pour toutes les recherches, toutes sciences confondues, tous les chercheurs scientifiques commencent toujours à savoir quelle est la méthode que vous avez utilisée. On ne commence même pas à lire votre théorie ou votre cadre de résultats. Le plus important, c'est de savoir quelle est la méthode que vous avez utilisée. Quelle position épistémologique que vous avez utilisée. Quels sont les outils que vous avez utilisés au niveau quantitatif. Par quoi vous avez commencé. Quelles sont les étapes. Quelles sont les démarches que vous avez suivies. Et donc, quelle est la méthode ou l'approche théorique que vous avez utilisée pour votre explication empirique. Et est-ce que cette approche est valable aujourd'hui ou est-ce qu'elle est convoitée ou est-ce qu'elle est, elle a disparu parce qu'il y a certaines méthodes que maintenant ne sont plus utilisées. On utilise d'autres méthodes pour développer la recherche. Donc ça, c'est très important. Ça, il faut le comprendre parce que l'élément de la recherche scientifique, ce n'est pas de rechercher ce qui est dans le passé. C'est vrai que c'est la base, mais il faut développer toujours la recherche. Il faut aller de l'avant. La recherche, c'est d'aller de l'avant, tout en se basant sur ce qui a été effectué avant, au niveau du passé. Et donc, la recherche, c'est ça l'explication de la recherche, c'est d'apporter des éléments de réponse pour un développement d'une situation problématique. Et donc, le champ d'investigation, qu'on appelle, donc ça c'est très important, il est modélisé, ou plutôt représentativité, par un modèle qui comprend des variables exogènes et des variables endogènes, des variables dépendantes et des variables indépendantes. Là, je vous donne un petit exemple d'un modèle économétrique spatial. C'est de l'économie dans l'espace. Et là, vous comprenez que la réalité peut se modéliser en termes d'équations mathématiques. Et ça, je l'admets et je le précise, au niveau des sciences mathématiques, les outils mathématiques sont utilisés dans toutes les sciences. Toutes les sciences peuvent utiliser donc des aspects de modèles mathématiques pour l'appliquer, bien sûr, dans des modèles, par exemple, chez nous, par exemple, au niveau économique. Au niveau économique et au niveau managérial, on utilise des équations mathématiques qui sont appliquées au niveau des sciences mathématiques, mais qu'on les transporte dans notre univers, dans l'univers économique. Voilà. Sachant que les paramètres mathématiques sont délimité en fonction des paramètres de la réalité économique dans lequel nous vivons. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'au niveau mathématique, on a bien sûr des univers réels et des univers irréels, mais ce qui est très important au niveau économique et au niveau managériel, on applique ces modèles mathématiques, mais tout en se délimitant en fonction des paramètres économiques de la réalité et en les transposant dans un modèle d'équation mathématique, ce qui nous donne bien sûr ce modèle, notamment, et là c'est un modèle de l'investissement et des importations étrangères, montre que l'investissement direct étranger exerce des effets sur l'importation. Ça veut dire que là, on a réalisé un modèle qui fait le lien entre l'investissement et les importations. Bien que les importations, c'est un paramètre économique de la réalité, mais qu'on l'a transposé sur un modèle mathématique pour expliquer, bien sûr, le phénomène de l'importation suite aux investissements. Que ce soit, vous avez les paramètres du niveau du produit, le paramètre de l'industrie et le paramètre de la fabrication globale, dans lequel ce sont des paramètres X, Y et Z, on peut dire, pour le moins. Et donc, qu'on applique sur une fonction pour déterminer la variation, bien sûr, de ce paramètre en fonction des paramètres suivants. Et c'est ça, c'est très intéressant. C'est qu'à travers des résultats sous application, on peut déterminer bien sûr des résultats de corrélation entre les paramètres qui justifient l'explication réelle parce que les chiffres que vous avez déterminés, les chiffres que vous avez trouvés, ce sont des chiffres basés sur la réalité au niveau statistique, au niveau par exemple des rapports du ministère par exemple,
des statistiques qui ont été déterminées par des institutions internationales ou nationales qui ont déjà fait l'enquête, qui ont déjà travaillé sur l'aspect quantitatif. Donc, pour le moins, on se rapproche de la réalité, on va dire. Parce qu'au niveau statistique, c'est vrai qu'on peut avoir des aspects qui se rapprochent de la réalité, comme on peut avoir des aspects qui sont plus ou moins précis au niveau de la réalité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter des éléments de réponse qui se rapprochent de la réalité ou qui soient vraiment de la réalité. Et ça, c'est très important. Et donc, on appelle ça des approches d'investigation ou d'exploration. Hein ? On appelle ça des approches d'investigation ou d'exploration. Et ces approches d'investigation ou d'exploration, c'est sous forme de trois. Soit on fait une investigation dans laquelle les bases de données et de calcul, c'est des mesures quantitatives. Soit c'est des mesures qualitatives dans lesquelles je fais une analyse d'image. Hein. Je fais une analyse d'image. Quand je fais une analyse d'une image, donc c'est une étude qualitative dans laquelle les paramètres ne sont pas mesurables. Par exemple, si je fais une analyse de l'audio, de la sonorification, on peut avoir un aspect mesurable, quantitatif, au niveau, en utilisant bien sûr du matériel qui mesure la sonorification, comme on peut analyser la sonorification juste par la perception. Juste par la perception. Pas par un matériel qui mesure la sonorification, juste par la perception. On peut dire que la sonorification peut avoir une signification de dire arrêter ou stopper ou commencer ou démarrer. Là, le fait de dire que j'entends un son qui, et quand je l'entends, ça veut dire que je dois m'arrêter, ça veut dire que là, vous n'avez pas utilisé un matériel pour savoir, pour mesurer. Vous avez utilisé votre perception des choses. Et là, on parle d'une analyse qualitative. Et parfois, on peut avoir des recherches qui peuvent utiliser de la visualisation, de la sonorification, également, pour certains également, on peut avoir également de ce qu'on appelle l'aspect du goût également. Et ça, c'est en fonction de la perception des choses. Et quand c'est la perception des choses, là, on tombe dans un aspect purement d'une mesure qualitative et non pas quantitative. Parfois, il y a des recherches qui peuvent marier les deux. On peut faire à la fois quantitatif et qualitatif. Pourquoi ? Parce que la problématique, les hypothèses que vous avez déterminées demandent à ce qu'on répond à la fois par une mesure quantitative et à la fois par une mesure qualitative. Mais attention, ce n'est pas vous qui vous le choisissez. Ce n'est pas vous qui choisissez ces méthodes. C'est les hypothèses que vous avez déterminées qui choisissent la méthode dans laquelle vous devez suivre. Soit quantitatif, soit qualitatif, soit mixte. Alors, l'approche quantitative, c'est tout simplement d'utiliser des données mesurables, des données dans lesquelles on peut mesurer et on peut calculer à travers, bien sûr, des applications ou du matériel qui permet tout simplement de le mesurer. Et donc, et là, je reviens à l'échantillon ou l'échantillonnage qui est très important parce que l'échantillonnage ou l'échantillon dans lequel vous allez étudier délimite votre cadre empirique. Ça, c'est très important. Autrement dit, l'échantillonnage, c'est comme si elle vous donne la question suivante. Sur quoi vous allez étudier au niveau de la réalité ? Qu'est-ce que vous allez étudier dans le cadre empirique ? C'est vrai que vous avez le cadre empirique. Par exemple, je prends l'exemple de la banque. On a dit que voilà, l'absence du personnel au niveau de la banque. Alors, ma question est la suivante. Quel est l'échantillon que vous allez utiliser au niveau de la banque ? Ça veut dire quel est le personnel que vous allez utiliser ? Est-ce que vous allez travailler uniquement sur les techniciens ? Ou est-ce que vous allez travailler uniquement sur les responsables ? Est-ce que vous allez travailler uniquement sur les services de caisse ? Ou le personnel du service de caisse ? Est-ce que vous allez travailler uniquement sur le personnel de réparation ? Là, vous délimitez votre échantillon. Et quand vous dites la banque, est-ce que c'est la banque commerciale ou la banque participative ? Là, vous délimitez encore une fois l'échantillon. Et quand vous dites la banque, est-ce que c'est la banque à Casablanca qui sont installées à Casablanca ou est-ce que c'est la banque qui sont installées dans la région de Casablanca Stade ? Ou quand vous parlez de la banque, est-ce que c'est les banques qui sont installées au Maroc ou dans l'étranger ? Et quand vous parlez de la banque, est-ce que c'est des banques nationales ou internationales ? C'est ça les questions qu'on doit se poser pour faire de la recherche empirique. Vous délimitez un échantillon. Parce que ça, c'est très important.
On ne peut pas travailler au niveau d'un échantillon vaste. Parce que si vous voulez travailler au niveau d'un échantillon vaste, dans lequel il va falloir avoir des capacités humaines et toute une équipe pour travailler, là, ça sera impossible pour votre recherche doctorale, parce qu'elle est délimitée sur 4 ans, 5 ans, moi je ne sais pas. Ouais. De toute façon, on délimite la recherche doctorale en 3 ans. On a des dérogations 4 ans, 5 ans, et à la limite, c'est 6 ans. Bon, ça veut dire que pour moi, vous êtes délimité dans le temps. Donc, ça veut dire que si on est délimité dans le temps, eh bien, il faut travailler également par réflexion. Et donc, délimiter l'échantillon pour savoir la capacité que vous avez pour faire de la recherche empirique. Et ça, c'est très important. C'est vrai que parfois, on peut avoir des bases de données dans lesquelles on peut avoir un ensemble d'entreprises, mais là, c'est une analyse statistique. Là, c'est une analyse dans laquelle on a la base de données qui a été déjà calculée par une institution. On peut travailler par région, par ville, par pays, par comparaison de pays. Mais ça, c'est des données qui ont été déjà calculées par des institutions. Mais le faire soi-même, là, je vous dis, c'est mission impossible. Le faire soi-même, ça veut dire que il y aura des déplacements, il y aura des contacts, il y aura des relations. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Ça sera impossible. Il faut avoir une équipe pour le faire. Surtout lorsqu'on est face à des données dans lesquelles il va falloir les chercher. Physiquement. Voilà. Physiquement, se déplacer. Par contre, on essaie de voir, de délimiter la recherche empirique en fonction de notre capacité, en fonction des capacités de notre recherche empirique, de votre capacité, que ce soit de votre capacité individuelle, aussi votre capacité environnante, votre institution, l'accès à certaines institutions, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. L'échantillon détermine, bien sûr, votre cadre de recherche. Et donc, quand je parle d'échantillon, bien sûr, bon, ça dépendra de chaque science, mais on sait très bien qu'il y aura un outil, bien sûr, important au niveau de chercher des données qui sont pour le moins à se déplacer, pour le moins. Et on a cet aspect de questionnaire. Le questionnaire, c'est vrai que ce n'est pas la référence au niveau des outils et méthodes, il y en a plusieurs, hein, je vous le dis, mais au niveau des questionnaires, c'est de chercher l'information en fonction des relations comportementales. C'est surtout au niveau des relations, lorsqu'on va aller vers la personne pour dégager des informations, pour savoir l'aspect d'observation réelle des éléments de travail. Et donc, le questionnaire joue un rôle très important. Et le questionnaire est représentatif de vos hypothèses. Parce que quand on pose des questions, les questions sont les spécifications que vous avez déterminées au niveau des hypothèses. C'est les hypothèses transformées en questions qui nous permettent tout simplement d'avoir les réponses. Et grâce à ces réponses, les réponses sont déterminées en fonction d'unités de mesure. Par exemple, vous avez les échelles de mesure de 1 à 5 pour dire les niveaux, les degrés de mesure à ce que la personne doit répondre de 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais dès qu'il répond 2 ou 3, ça me donne un niveau de degré. Ça veut dire que le niveau de degré, on peut le mesurer et on peut le rendre de manière quantitative. On peut avoir des options en termes de questions à réponses multiples. Et là, on peut avoir des aspects qualitatifs, normatifs, au niveau donc de la situation. Comme on peut avoir des réponses oui ou non. Et si on répond oui, ça veut dire qu'on affecte 1. Et si on répond non, on affecte 0. Et là, on a rendu une question qui est plus ou moins qualitative à une question plus ou moins quantitative, qui aura un aspect à la fois qualitatif et quantitatif. Vous voyez? Ça permet donc de dégager des bases de données au niveau terrain, mais de les rendre au niveau quantitatif pour les mettre sous forme d'application, pour qu'on puisse, on peut les calculer et on peut avoir un aspect de relation, de coordination, de calcul mathématique ou scientifique qui permet d'avoir vraiment des mesures quantitatives sur des éléments qu'on a trouvés dans le terrain. Et donc voilà, en ce qui concerne le questionnaire, la forme du questionnaire, parce qu'il faut jouer également, il faut jouer également sur la forme du questionnaire. On ne demande pas à ce qu'on va mettre 20 questions ou 30 questions pour que la personne puisse vous répondre. Ça sera impossible parce que la personne n'a pas le temps. Il faut réfléchir sur les questions dans lesquelles vous allez poser. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut délimiter les hypothèses pour permettre tout simplement d'avoir une spécification au niveau du questionnaire
mais au moins de répondre au moins à 60% ou 70% de votre problématique. La problématique, s'il vous plaît, surtout au niveau de la thèse de doctorat, on ne vous demande pas à répondre à votre problématique à 100%. On vous demande à répondre à votre problématique à supérieur à au moins 50%, 60% de votre problématique. On ne vous demande pas à 100% de votre problématique. Sachant que si vous avez les capacités nécessaires à atteindre les 100% de votre problématique à la résolution, là on est dans la perfection. Mais dans les thèses de doctorat et dans la majorité des thèses de doctorat, on ne répond pas à 100% à la problématique. Mais on répond à 30%, 40% selon chacun d'entre vous au niveau de la capacité organisationnelle et rédactionnelle et de la recherche scientifique théorique et empirique, des données qu'il a trouvées. C'est très important. Mais par contre, on avoisine les 50% de la problématique. C'est ça le plus important. Il faut avoisiner les 50% de réponses au niveau de la problématique. Et donc, c'est très important de comprendre la façon dans laquelle on gère les données et il y a des traitements de données. Ça, il faut comprendre. Il faut que les participants au niveau de la recherche doivent apprendre également le traitement de données. C'est très important. Maintenant, on est dans l'ère informatique et on est actuellement dans l'ère du digital, ben vous comprenez que la recherche également évolue à travers ces applications, à travers ces traitements. Et donc, il faut comprendre que on doit faciliter le traitement du questionnaire au niveau informatisé, au niveau digital en termes des applications smartphone, ainsi de suite, pour atteindre à ce que le répondant puisse répondre tout en ayant bien sûr de diminuer les contraintes qu'on peut avoir au niveau du déplacement, ainsi de suite. Sachant qu'il faut prendre contact, savoir la personne exactement, est-ce qu'il a pris le temps pour répondre, bien sûr, et avoir contact avec cette personne pour avoir vraiment des réponses exactes et avec exactitude, bien sûr. Et donc, il faut comprendre que le chercheur doit effectivement apprendre à maîtriser les traitements de données ou les outils de traitement de données, et notamment. J'insiste sur l'aspect, donc pour nous, au niveau économique, on utilise beaucoup plus le SPSS parce qu'on aura donc des données de corrélation, des données dans lesquelles on peut analyser des analyses en composantes principales ou des analyses d'équations structurelles ou des analyses discriminantes. Donc, l'aspect SPSS nous permet d'apporter ces outils en termes de statistiques descriptives, de corrélation, de comparaison, de séries chronologiques, d'équations structurelles. Mais on peut avoir d'autres traitements d'analyse de logiciels pour d'autres sciences, pour les autres sciences également. Et au niveau économique, on peut utiliser l'aspect de Stata, ça c'est très important, mais aussi eViews qu'on peut utiliser, et MATLAB, bien sûr, qu'on n'utilisera pas sur certaines options, mais on les utilisera pour les séries chronologiques. C'est surtout pour les sciences économiques. Les sciences économiques peuvent utiliser l'aspect MATLAB, mais pour certaines options, surtout pour les séries chronologiques. Mais pour les autres sciences, bien sûr, on comprend que c'est surtout MATLAB. Je n'ai pas tout à fait l'ensemble des logiciels appliqués aux autres sciences, mais je sais qu'au niveau de la majorité des sciences, on utilise MATLAB. Vous avez donc le programme R et donc l'ensemble. Vous avez eViews aussi, hein, très important. Donc, un ensemble de traitements de données qui joue un rôle de méthode quantitative dans lequel vous pouvez faire des opérations mathématiques, modélisation, équations différentielles et l'ensemble donc dont vous voyez en termes de méthode de mesure quantitative. Ça, c'est le plus important, c'est l'aspect quantitatif. Maintenant, pour l'aspect qualitatif, et ça, c'est très important. Là, je parle pour les sciences qui utilisent l'aspect qualitatif, qui n'utilisent pas des mesures quantitatives, des aspects dans lesquels on doit calculer, mais des aspects dans lesquels on doit entendre, des aspects dans lesquels on doit voir, des aspects dans lesquels on doit juger, des aspects dans lesquels on doit donner notre perception, des aspects dans lesquels on doit goûter. Donc, ça veut dire que ce sont des aspects qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple, si je vous dis analyser un nom de famille, je veux analyser un nom de famille, je veux analyser une histoire, je veux analyser tout simplement une couleur, je veux analyser une image, je veux analyser un son. Je veux analyser une perception au niveau de l'odorat, juste pour comprendre l'explication de cette. Donc voilà, on est face à des aspects beaucoup plus qualitatifs et donc on a besoin de méthodes qualitatives pour certaines recherches
et dans lequel la méthode qualitative, elle peut être utilisée pour déterminer certaines hypothèses qui demandent à ce que vous utilisez des outils qualitatifs. On a bien sûr le guide d'entretien dans lequel on est face à la personne directement, on lui pose des questions ouvertes pour avoir plus de données de perception, de jugement, comme on peut avoir des modélisations de l'arbre de décision ethnographique ou de l'analyse des réseaux sociaux ou de l'analyse d'images, plein d'autres qui permettront tout simplement d'utiliser donc les outils qualitatifs. Et donc, le traitement de données d'outils qualitatifs le plus utilisé, mais il y en a d'autres, c'est in vivo. In vivo, on a déjà des traitements de données qualitatives qui permettent de traiter les textes, d'analyser les concepts, de donner des nuages de poids et d'analyser des images. Le traitement de données donc de cette application peut analyser les images dans lesquelles c'est une analyse scientifique. Donc, ce n'est pas une analyse de perception uniquement par la parole ou par la vision, c'est une analyse de perception par le traitement informatique. Et donc, ça donne donc certaines données qualitatives et on a d'autres traitements de logiciels au niveau donc de cet aspect. On a également l'étude de cas qui va jouer un rôle très important sur la méthode quantitative-qualitative, c'est-à-dire une méthode mixte. Et la méthode mixte pourrait être utilisée pour certaines sciences qui permettront tout simplement d'utiliser à la fois des mesures quantitatives et des mesures qualitatives pour répondre à leur hypothèse. Et donc, il y a l'aspect d'étude de cas qui joue un rôle très important pour observer un cas de situation et l'observer à travers le temps. On peut l'observer à travers le temps, on peut l'évaluer, on peut faire des tests, des simulations et voir leur aspect qualitatif et leur aspect quantitatif. Mais sauf que vous travaillez sur un cas d'étude. Vous travaillez sur un cas d'étude et vous voyez son aspect quantitatif et son aspect qualitatif. Et donc, il y a un autre outil également qui permet d'avoir cet aspect d'analyse quantitative et qualitative, c'est les équations structurelles. Les équations structurelles, c'est un modèle qui permet à la fois de transposer la réalité fictive ou la réalité qualitative en une réalité mesurable, en une réalité qui peut être mesurée, à travers un modèle de structure dans lequel on met en place un modèle de mesure et un modèle de mesure pour la variable qualitative qui est A et la variable qualitative qui est B. Et X1, X2, X3, ce sont des aspects et des paramètres quantitatifs dans lesquels on applique sur une équation pour transformer en fait l'aspect qualitatif en aspect mesurable, en aspect quantitatif qui nous donneront par la suite des chiffres et qui nous permettront d'avoir ces relations entre des mesures quantitatives et des mesures qualitatives. Il y a d'autres applications dans lesquelles, ça j'insiste sur ce point pour les chercheurs, vous pouvez utiliser tout simplement une coordination d'applications, de traitement d'applications d'autres sciences. Par exemple, moi, juste pour vous expliquer un peu par expérience, parce que puisqu'on parle d'effet d'expérience au niveau de ce workshop, au niveau de ma thèse de doctorat, et c'est très important, j'ai pu travailler sur l'économie de proximité. L'économie de proximité. Et donc, quand on parle de proximité, on est dans l'obligation de justifier notre hypothèse à travers des cartes géographiques, parce qu'il faut déterminer la proximité entre deux entreprises. D'abord, une proximité géographique, et ensuite, je vais déterminer une proximité non géographique, c'est-à-dire qualitative, une proximité culturelle. Mais pour déterminer la proximité entre deux entreprises, il faut absolument que je dois passer par une proximité physique, ça veut dire géographique. Et qui me permet d'avoir cette application, qui me permet de traiter cette proximité physique, ben, c'est un logiciel utilisé par les géographes. Un logiciel dans lequel il n'est pas purement économique, utilisé par les géographes, dans lequel je l'utilise pour l'appliquer au niveau de ma problématique économique. Et grâce à ce logiciel, ça m'a permis tout simplement de justifier l'hypothèse dans laquelle les entreprises ou les entreprises dans lesquelles j'étudie sont à proximité. Parce que s'ils n'étaient pas à proximité, là, l'hypothèse ne sera pas confirmée. Là, je pourrais infirmer l'hypothèse pour dire non, les entreprises ne sont pas à proximité. Donc, je dois apprendre à traiter d'autres logiciels qui ne font pas partie de mon domaine, mais que j'utilise pour des domaines différents, que je les utilise pour ma science. Donc, c'est une relation entre les sciences. C'est très important. Et c'est très important ce point-là parce que ça donne... Regardez, en termes de représentativité, ça donne des données statistiques, des données de base
sur des représentations géographiques qui donnent des bases de données économiques, par exemple. Et ça, c'est très important, surtout pour des sciences qui ont besoin d'avoir d'autres applications, d'autres sciences. Les sciences se complémentent parfois. Parfois, il y a des sciences qui se complémentent et dans lesquelles on peut aller voir d'autres sciences et utiliser leurs outils ou leurs méthodes pour l'appliquer au niveau de notre science. C'est ça la recherche aussi. La recherche scientifique, elle n'est pas ancrée uniquement au niveau de sa propre science. Elle est ancrée également sur les autres sciences dans lesquelles il peut tout simplement avoir certains aspects dans lesquels une autre science peut lui apporter une réponse. Voilà. C'est ça la recherche scientifique aussi. Je ne demande pas à ce que c'est une règle. Hein. Je ne demande pas à ce que c'est une règle. Mais parfois, il y a des problématiques dans lesquelles tu dois voir d'autres sciences pour expliquer la problématique de ta science. Voilà, grosso modo. Et donc, après tout le travail que vous avez fait au niveau théorique et empirique, il arrive à laquelle vous devez structurer votre recherche sur un rapport. Et ce rapport, bien sûr, il est structuré en fonction de quatre aspects. Soit c'est un choix de quatre aspects. Ça veut dire que soit le premier aspect, c'est l'approche positiviste, l'approche déductive. Ça veut dire que le premier aspect, il est généralement utilisé par les chercheurs, mais pour les recherches sociales, économiques, managériales, parfois, en termes de droit, ainsi de suite, on peut avoir certaines différences. Et parfois, même au niveau de certaines sciences, que ce soit au niveau informatique ou au niveau biologique ou chimique. Le plus important, c'est que votre cadre de recherche peut avoir quatre options en termes de représentativité de rédaction. Je parle de rédaction. Soit la première, on fait une rédaction sur la partie théorique, on termine la partie théorique, on fait la partie méthodologique, on termine la partie méthodologique, on fait la partie des résultats empiriques. Ça veut dire en termes de rédaction, déjà, on commence par écrire la théorie et en même temps les résultats empiriques tout en gardant une vision sur la méthodologie. Le cadre méthodologique, juste pour vous expliquer en termes de rédaction par expérience, la méthodologie ne s'écrit qu'à la fin. Une fois que vous avez délimité vous avez rédigé votre cadre théorique et votre cadre empirique, ça sera plus facile de savoir comment vous avez fait en termes méthodologiques, sachant que la méthodologie a été rédigée en termes de fiches. C'est-à-dire que la méthodologie se rédige en termes de fiches, mais elle ne se rédige pas au niveau du rapport. Une fois que le cadre théorique est terminé et que le cadre empirique est terminé, c'est à ce moment-là que vous rédigez le cadre méthodologique. Ne jamais écrire le cadre méthodologique parce que la théorie n'a pas encore été terminée et l'empirique n'a pas encore été terminé. Imaginez que vous utilisez un autre outil, alors il va falloir l'introduire encore une fois sur le cadre méthodologique. Donc, ça serait mieux de délimiter votre cadre théorique et de terminer avec votre cadre empirique. Et à ce moment-là, vous pouvez rédiger votre cadre méthodologique. Ça sera beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus explicatif. Vous aurez toutes les données nécessaires pour rédiger votre cadre méthodologique. Alors, vous avez le premier aspect. Vous avez le deuxième aspect. Je peux commencer par la méthodologie. Je peux expliquer ma méthodologie, ensuite expliquer ma théorie et ensuite démontrer mes résultats. Il y a des thèses qui peuvent commencer par la méthodologie et ensuite, une fois que la méthodologie a été expliquée, je peux expliquer mon cadre empirique dans lequel j'ai pu déterminer et je peux conclure par mon cadre théorique. Je peux conclure au niveau d'un aspect théorique. Par contre, dans le quatrième cas, et c'est surtout pour des recherches d'expérimentation, là je le précise, c'est surtout pour des recherches d'expérimentation. C'est une thèse de doctorat, mais composée par plusieurs articles. Voilà. C'est-à-dire, les articles sont des projets d'expérimentation. Et pour chaque chapitre, il y a un cadre théorique, méthodologique et résultat. Deuxième chapitre, cadre théorique, méthodologique et résultat. Troisième chapitre, cadre théorique, méthodologique et résultat. Et tous ces articles, où tous ces projets d'articles, où tous ces projets en termes d'expérimentation expliquent une seule problématique. Voilà. Donc ça, c'est une forme de rédaction que certaines thèses de doctorat utilisent et qui sont justifiées en termes scientifiques, c'est de la recherche scientifique, applicable au niveau de la norme,
mais elle n'est pas appliquée par toutes les sciences, juste pour vous dire. Elles ne sont pas appliquées vraiment partout. C'est surtout lorsqu'on est face à des sciences d'expérimentation. Quand on fait de l'expérimentation, on peut appliquer cet aspect de cadre, de forme au niveau de la rédaction. Et donc, bien sûr, votre plan de recherche doit refléter, bien sûr, doit refléter votre sujet et votre problématique et doit respecter votre position de recherche. J'insiste sur ce point, s'il vous plaît. Quand on fait de la recherche, il faut se positionner. Vous êtes qui? Vous faites de la recherche par quelle philosophie, en fait? Quelle est votre philosophie de recherche? Vous êtes positiviste? Vous êtes positiviste déductif, hypothético-déductif, inductif, constructiviste, interprétativiste? Quelle est votre philosophie de recherche? C'est ça ce qui est très important d'abord. Il faut se positionner au niveau d'une école de recherche. Voilà. Voilà ce qui est très important au niveau de la recherche. Il faut se positionner sur une école de recherche. Il faut se positionner sur une philosophie de la recherche scientifique. Ça nous permet de savoir exactement quelle est votre orientation au niveau de votre étude. Parce que, s'il vous plaît, chers participants, chers chercheurs, il est évident à ce que moi, je dois savoir quelle est votre position. Parce que je peux avoir deux problématiques. Je peux avoir deux problématiques, la même, les mêmes problèmes, mais qui sont expliquées différemment parce qu'ils ont suivi des positions différentes. Voilà. Je peux avoir une seule problématique avec les mêmes hypothèses, sauf que on a des résultats différents parce qu'ils prennent une position différente. C'est ça dans lequel vous devez savoir. C'est-à-dire qu'il faut choisir également votre position de recherche pour commencer également à savoir quel est, sera votre chemin d'orientation philosophique de votre recherche pour déterminer votre résultat. Et ça, c'est très important. Donc, un plan doit être compatible à votre problématique et à votre position de recherche. Alors, au niveau du cadre rédactionnel, soit on utilise les parties, partie 1, partie 2, soit on utilise les chapitres. Soit on utilise le chapitre. Les chapitres sont beaucoup plus flexibles, en fait. On a les liens entre différents chapitres et les parties aussi, hein. Chacun a son avantage et chacun a son inconvénient. Je ne vais pas négliger l'autre par rapport au chapitre ou par rapport aux parties. Tout dépendra de votre problématique. Il y aura des problématiques qui doivent suivre le format partie et il y aura des problématiques qui doivent suivre des formats chapitres. Alors, conseils importants, s'il vous plaît, des conseils importants pour votre recherche, pour toute science confondue, hein, pour toute science confondue. Conseils importants, d'abord l'organisation du travail. Ça, je dois insister sur ça, c'est très important, l'organisation du travail. Que ce soit pour un chercheur qui travaille déjà ou qui ne travaille pas, qui est consacré 100% à la recherche, ou un doctorant qui travaille professionnellement au niveau de sa profession et aussi il fait de la recherche, dans les deux cas, il y a l'organisation du travail. Bon, dans les deux cas, il y a tout ça, de toute façon, dans les deux cas. Mais il faut comprendre que l'organisation du travail, c'est ça par quoi je dois commencer. Si vous organisez pas votre travail, vous n'arrivez pas à votre objectif. Ça veut dire que l'organisation du travail permet d'optimiser du temps, le temps d'énergie, la consommation d'énergie quand vous voulez vous concentrer à lire un texte. Pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser non seulement sur la façon de lire votre article et la façon dans laquelle vous allez mettre votre lecture pour rechercher les bases de données, mais aussi il faut s'organiser sur la façon dans laquelle vous organisez les dossiers sur votre ordinateur. Ça, je dois l'admettre. Parce que parfois, il y a des chercheurs dans lesquels ça manque d'organisation au niveau ordinateur, c'est-à-dire au niveau de l'ergonomie de travail. Ça, c'est très important. Et surtout parce que maintenant, on travaille avec des ordinateurs, c'est très important. Donc, il faut s'organiser même sur l'organisation des fichiers et des documents dans lesquels vous mettez, vous enregistrez, vous téléchargez dans votre ordinateur. Et ça, c'est très important parce que ça vous permettra de savoir les différentes actions que vous devez mettre en place pour mieux réfléchir pour cette journée, qu'est-ce que je dois faire comme recherche. Ça veut dire que chaque journée que vous passez, vous devez déterminer un point de recherche dans lequel vous avez consacré au niveau de votre thèse de doctorat. Chaque journée doit avoir un aspect de votre recherche au niveau de votre thèse de doctorat. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures au minimum. Je dis au minimum 2 heures, 3 heures.
de votre thèse de doctorat qui sera consacrée tous les jours. Ça dépendra, est-ce que ça sera une lecture, ça dépendra, est-ce que ça sera une recherche en termes donc d'ouvrage, ça dépendra, est-ce que ça sera un contact dans lequel je dois mettre en contact pour savoir le cadre empirique, ainsi de suite, avoir un accès au niveau de la base de données, tout ça, participer à des formations, participer à des conférences, tout ça, ça se fait tous les jours. Mais ça dépendra de votre choix. Pour cette journée, qu'est-ce que je dois faire pour ma base de recherche, pour ma recherche doctorale? C'est-à-dire que je ne dois pas dire que je dois le laisser le week-end. Le problème pour les personnes qui travaillent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que voilà, je vais le laisser le jour à laquelle je ne vais pas travailler. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il va falloir travailler. Parce qu'il faut consacrer du temps également à d'autres activités, notamment pour permettre d'avoir une certaine tranquille. On va dire, hein, vous devez reposer votre capacité énergétique. C'est pour cela que je le dis chaque jour. Chaque jour, pour avoir une motivation et pour avoir un flair en termes de la recherche. Parce que si vous dites que je vais laisser au week-end et que toute la semaine vous travaillez, que vous ne consacrez aucune heure pour votre recherche doctorale, vous allez perdre le fil motivateur de votre recherche. Et vous allez tomber dans l'anxiété, vous allez tomber dans la fatigue, alors que vous avez rien fait, même dans le week-end, vous n'avez rien fait. C'est pour ça que je conseille les chercheurs dans lesquels chaque jour vous consacrez au minimum 3 heures au niveau de votre point de recherche. Au niveau de la planification des actions, parce que c'est très important, le fait de consacrer 3 heures au niveau de chaque jour, ce n'est pas chose facile, mais la chose dans laquelle ça va vous permettre de vous organiser, c'est la planification des actions. C'est-à-dire de mettre en point un calendrier de semaine, je ne dis pas un calendrier du mois, mais un calendrier de semaine, il faut avoir un calendrier approximatif, un calendrier proche. Parce que si vous mettez un calendrier à long terme, vous allez comprendre qu'après, par la suite, vous allez perdre 3 mois ou 4 mois sans rien faire. Je préfère à ce que vous faites un calendrier par semaine. Au fur et à la semaine, vous devez déterminer un objectif par mois. Ce mois-ci, qu'est-ce que je dois dégager comme objectif? Qu'est-ce que je dois réaliser? Et donc, en fonction de cet objectif que vous devez faire au niveau de ce mois, vous le déterminez en termes de planification des actions par semaine. Cette semaine, voilà ce que je vais faire. La deuxième semaine, voilà les actions que je dois faire. D'ici la fin du mois, j'aurai arrivé aux objectifs dans lesquels j'ai déterminé pour le mois. Par exemple, je dis juste un petit exemple, je vais tout simplement essayer donc de lire les composants du chapitre 1. Quels sont les éléments du chapitre 1 que je vais mettre au niveau de la partie théorique? Donc, ça sera pour le mois. Et chaque semaine, je vais essayer de chercher uniquement les aspects du chapitre 1. Et donc, d'ici le mois, j'aurai au moins 50% du chapitre 1 que j'ai réalisé en termes théoriques. Au fur et à mesure que je réalise cet aspect, j'aurai à déterminer les sections. Parce que les sections au niveau des chapitres n'arriveront pas du jour au lendemain. Il faut lire, parce que la lecture, c'est elle qui permettra d'avoir des explications, c'est elle qui vous permettra de renforcer votre connaissance, et c'est elle qui va vous permettre tout simplement d'organiser votre travail et de savoir vraiment votre sujet. Ensuite, vous avez l'évaluation des capacités. L'évaluation des capacités, c'est très important, et ça, je dois l'admettre. Chaque chercheur n'a pas les mêmes capacités, juste pour vous le dire. Je dois l'admettre, chaque chercheur arrivera à son objectif. D'accord? C'est-à-dire que c'est au niveau de l'adage qu'on dit que tout chemin arrive à Rome. Ben, c'est pareil. Chaque chercheur n'a pas les mêmes capacités. Ça, on doit l'admettre. Mais attention, ce n'est pas un facteur de causalité pour dire que voilà, c'est à cause de ci ou à cause de ça. Non, chaque chercheur, tout chercheur arrivera au même objectif, au même résultat. Voilà. Ça veut dire que il faut, quand je dis évaluation des capacités, ça veut dire qu'il faut optimiser vos capacités, savoir comment les utiliser, que ce soit pour les capacités personnelles, que ce soit pour les capacités financières que vous avez, que ce soit pour les capacités relationnelles, tout ça, il faut savoir les utiliser.
savoir les utiliser au niveau de votre recherche pour atteindre le même résultat qu'un autre chercheur qui a tout simplement des capacités financières élevées et qui a des capacités relationnelles moins élevées. Et là, ça veut dire que les paramètres sont différents de chacun, mais tout le monde arrivera au même objectif. Et la façon dans laquelle il faut le déterminer, c'est l'optimiser. Savoir comment utiliser mes capacités, savoir la façon dans laquelle j'utilise mes capacités pour arriver à mes objectifs. Et le choix et la sélection des relations de recherche. Ça, c'est très important aussi. Il faut que je dois vous l'expliquer, ce point-là. C'est un élément important, le choix et la sélection des relations de recherche. Vous savez que parfois, on arrive à poser beaucoup de questions. C'est bien de poser des questions, mais d'abord, avant de poser des questions, il faut que je dois savoir à qui je pose la question. Parce que poser des questions et attendre par la suite avoir des réponses, pour le moins, peut-être qui ne sont pas probables ou pour le moins qui ne sont pas pour le moins scientifiques, ça serait mieux de choisir d'abord, de sélectionner les personnes dans lesquelles il va falloir poser la question pour ne pas perdre du temps. Et donc, ça, c'est, et quand je dis les personnes, ça veut dire pas des personnes uniquement. Ça peut être des institutions, ça peut être des entreprises, ça peut être des organisations, ça peut être des associations, dans lesquelles ça vous permettra de faciliter votre travail, ça vous permettra de gagner du temps aussi, et ça vous permettra d'être beaucoup plus flexible en termes de réactivité de votre base de données. Et ça, c'est très important. Le choix et la sélection des relations de recherche sont très importants. Et ça, il faut le comprendre quand je vais essayer de chercher le cadre empirique. Parce que quand je vais aller, je donne juste un petit exemple, quand je fais une recherche au niveau du recrutement, le recrutement, par exemple, je ne vais pas questionner un responsable commercial ou un responsable logistique, par exemple, ou un responsable informatique. Non, je vais questionner le responsable des ressources humaines. Et je vais questionner la personne qui est chargée au niveau du recrutement. Voilà la bonne personne dans laquelle j'ai besoin. Parce que les réponses qu'il va me donner, ce sont des réponses qui sont purement fiables pour mes hypothèses. Mais si je vais questionner une personne juste parce qu'il travaille dans cette entreprise, j'essaie de travailler sur le recrutement, ça va pas. Les données seront biaisées d'abord, parce que la réponse de cette personne n'est pas fiable et n'est pas, pour le moins, n'est pas dans son orientation au niveau de votre objet de recherche. Donc, le choix et la sélection de la relation de recherche jouent un rôle très important au niveau de la fiabilité de votre base de données. Très important. Et il y a pour le cinquième point, la gestion des comportements ou la gestion du comportement. Sur ce point-là, alors la gestion du comportement, c'est un aspect beaucoup plus émotionnel et psychologique. Ça, je dois l'admettre, mais il faut le gérer. Voilà, c'est comme ça. La recherche demande à ce qu'il faut se battre, il faut avoir des temps de repos, il faut avoir des temps de relaxation, il faut avoir des temps de conviction, d'aspect à laquelle il faut gérer ses comportements dans des endroits et des espaces dans lesquels chaque espace a son propre comportement et dans lequel il faut utiliser tout simplement l'outil essentiel qui est l'intelligence émotionnelle. Je vous conseille à ce que vous essayez de vous référencer au niveau de l'intelligence émotionnelle. Il y a des ouvrages et des référentiels dans lesquels ils sont prédisposés et dans lesquels j'aimerais que vous étudiez ça d'abord, pour tout chercheur, je le dis pour tout chercheur, quelles que soient les sciences, pour toutes sciences confondues. Essayez de lire et de savoir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, vous allez comprendre, c'est très important pour un chercheur. L'intelligence émotionnelle, c'est très important, ça permet de stabiliser vos émotions en termes de vos recherches. C'est très important, que ce soit pour la colère, que ce soit pour la joie, que ce soit... ça va se jouer au niveau de votre recherche. L'anxiété, tout ça, ça va se jouer. La nervosité, tout ça, ça va se jouer. Mais il y a des outils dans lesquels on peut maîtriser ses émotions. Donc, les émotions joueront un rôle très important, que ce soit pour votre relation avec votre directeur de recherche, qui est très important, dans lequel il va falloir gérer sa relation aussi, mais aussi les relations que vous aurez au niveau professionnel, au niveau lorsque vous voulez chercher la base de données. Parce que le contact des gens ou des personnes ou des contacts des institutions demande à ce que vous utilisez de l'intelligence émotionnelle, de savoir comment vous utilisez votre comportement pour obtenir
une base de données. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc ça, c'est un point important au niveau de relations, surtout lorsqu'on est face à un cadre de recherche pour tous les pays. Hein, je dis ça pour tous les pays. Hein. C'est pour tous les pays. Il n'y a pas d'exception. Ça veut dire qu'il faut avoir une gestion comportementale lorsque je suis face à la recherche scientifique. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit qu'un chercheur est un combattant. Et donc, quand on dit un combattant, c'est une personne qui, tout simplement, essaie de confronter ses comportements, essaie de confronter tout simplement ses points faibles et ses points forts. Voilà, ça, c'est très important. Et j'ai donné un effet d'expérience que j'ai pu réaliser lors de ma recherche, et c'est très important au niveau des relations, le choix des relations, le choix de la sélection de ces relations. Et là, ce qui m'a beaucoup aidé, et je veux le préciser en termes d'un avantage qui m'a permis tout simplement, pour le moins, d'accélérer la recherche et la base de données, c'est surtout les associations, et particulièrement les associations professionnelles. Pourquoi ? Parce que, bon, pour moi, parce qu'on est dans les sciences économiques et les sciences managériales, donc on est face à des relations de secteur et des relations d'entreprise. Et se mettre en contact avec une entreprise, c'est devenu chose difficile. Pour le moins, avoir des partenariats entre institutions, ainsi de suite. Qui aura le contact, ainsi de suite. Alors, l'institution qui vous permettra, pour le moins, d'avoir une première possibilité de contact avec un ensemble de secteurs, ce sont les associations professionnelles. Mais les associations professionnelles, bien sûr, puisque c'est une association professionnelle, quand on dit association, déjà, le concept association dit que c'est une institution sans but lucratif. C'est une organisation sans but lucratif, déjà. Donc, ça, il faut le comprendre. Mais sachant que puisqu'on est un chercheur, attention, on ne va pas aller vers les associations professionnelles pour leur poser et harceler des questions. Ce n'est pas ça. Il faut d'abord présenter le projet. Il faut d'abord préparer le projet. Donc, il faut délimiter votre problématique. Et d'abord, délimiter vos hypothèses, tout ce qu'on vient de dire. Et apporter un projet qui apportera un avantage pour ces associations, pour ces entreprises. Parce que votre recherche, il est à la fois un apport académique, mais il faut qu'il y ait un apport professionnel, un apport au niveau terrain, un apport dans lequel les personnes qui ont besoin, les institutions qui ont besoin, peut-être qu'au niveau de votre recherche, vous pouvez apporter un apport au niveau de leur organisation. Et ça, pour toute science confondue. Donc, ça veut dire que avant de prendre contact avec les associations professionnelles, essayez de voir la liste des associations professionnelles de votre secteur, de votre objet. Et avant de les contacter, il faut d'abord préparer votre projet. Préparez d'abord votre projet. Et préparez également l'avantage de votre projet ou l'apport de votre projet pour ces associations, par exemple. Et là, je vous le dis avec précision, qu'on vous donnera l'accès et qu'on vous allez participer à la préparation d'un projet et qui vous donneront l'accès à la base de données. Ça sera plus facile de prendre contact avec les différentes entreprises. Et ça, bien sûr, il faut qu'un chercheur doit maîtriser ce qu'il fait. Attention, un chercheur doit maîtriser ce qu'il fait. Il doit apporter un avantage à ses entreprises. Pourquoi votre recherche? Qu'est-ce qui va m'apporter? Donc, la finalité de votre recherche pour le cadre empirique. Donc, pour le cadre au niveau terrain. Donc, voilà tout en ce qui concerne donc l'atelier d'aujourd'hui, qui permet donc d'expliquer pour le moins une part théorique ou la façon dans laquelle il faut apprendre les bases théoriques de votre recherche pour toute science confondue, mais aussi relier cette base théorique avec la base empirique, la réalité, parce qu'on vit dans la réalité et dans lequel il est important donc de relier ces deux aspects pour apporter bien sûr une recherche qui s'appelle vraiment une appellation de recherche scientifique qui utilisera une méthode et qui utilisera une méthode ou plusieurs méthodes, mais au moins une méthodologie de travail qui permettra d'expliquer la façon dans laquelle vous avez déterminé vos résultats et la façon dans laquelle vous avez déterminé votre problématique. Je vous remercie. Merci à vous, cher professeur Kindili. Merci à vous, en fait, pour cette riche présentation. Dans le cadre de méthodologie de recherche entre théorie et l'empirique. Merci beaucoup pour ces conseils importants. Je suis très, très sûre que la majorité des doctorants, ils vont prendre ça en considération en fonction de votre retour d'expérience.
Je vais essayer d'ouvrir la parenthèse pour les gens qui ont des questions à poser. Donc, merci de lever vos mains. Entre-temps, je vais essayer de prendre en considération les questions sur le chat, en commençant par Wiham Lazar. D'ailleurs, vous avez le droit de poser des questions, que ce soit en français ou bien en anglais. C'est comme souhaité. Donc, la première personne, Wiham Lazar, il a demandé est-ce qu'on peut travailler avec les équations structurelles en cas d'études qualitatives? Alors, la question est, est-ce qu'on pourrait travailler avec les équations structurelles en cas d'étude qualitative? Oui, effectivement, on peut le faire. En plus, juste pour vous expliquer que les équations structurelles, c'est un outil, en fait, qui permet tout simplement d'apporter un aspect qualitatif et de le rendre d'une façon mesurable. Ça veut dire que, je vous donne un petit exemple, si vous voulez travailler la relation qui se trouve entre la confiance et la religion. Un exemple. Vous voulez travailler la relation qui peut se trouver entre la confiance et la religion. La confiance, elle n'est pas mesurable. Comment vous pouvez mesurer la confiance? On voit que la confiance, déjà au niveau du concept, c'est un aspect qualitatif. Ce n'est pas un chiffre d'affaires. On ne dit pas un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, c'est un indicateur purement quantitatif. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais la confiance, est-ce qu'il y a une formule pour calculer la confiance? Non, il n'y a pas de formule pour calculer la confiance. Alors, c'est un aspect purement qualitatif. La religion, est-ce qu'il y a une formule pour calculer une religion? Non, ça aussi. Donc, c'est un aspect qualitatif. Alors, l'équation structurelle, les équations structurelles sont là pour apporter ce changement, cette transformation d'un aspect qualitatif en une mesure quantitative. C'est pour cela que les équations structurelles sont utilisées pour des approches qui sont à la fois mixtes. Elle est à la fois qualitative et à la fois quantitative. Mais à la base, c'est pour des paramètres qualitatifs dans lesquels on les utilise et dans lesquels ces paramètres, juste pour vous montrer un peu, là j'ai toujours le partage, là, ici, regardez, voilà le modèle. Si vous voyez le modèle, là, le A et le B, ce sont les variables qualitatives, confiance et religion. Alors, pour mesurer cet aspect confiance et religion, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez les équations du modèle de mesure. Le modèle de mesure, ce sont les paramètres qui expliquent la confiance. Alors, ces paramètres qui expliquent la confiance, par exemple, quand vous dites la confiance, qu'est-ce qui pourrait expliquer la confiance? Je peux dire l'engagement. L'engagement, c'est un paramètre. D'accord? Un deuxième paramètre qui explique la confiance, on peut dire tout simplement le contrat. Un contrat peut exprimer une confiance. OK. L'engagement, le contrat, on peut dire la parole. On peut dire la parole. Hein, la parole d'une personne. OK. Vous allez me dire que ces paramètres sont qualitatifs. Mais regardez, quand vous transformez ces paramètres au niveau d'un questionnaire, qu'est-ce qu'on avait dit? Ces paramètres, ils peuvent aller vers un questionnaire quantitatif dans lequel vous pouvez dire comme question, est-ce que vous avez un engagement avec telle ou telle entreprise? La réponse sera oui ou non. Donc, oui sera affecté par 1 et non sera affecté par 0. Là, vous avez rendu un paramètre qualitatif en un paramètre mesurable dans lequel il sera inscrit dans l'équation du modèle de mesure. Tout dépendra de la question, comment vous allez poser la question qui exprime l'aspect des réponses quantitatives. Il faut que ça soit oui ou non, soit des échelles de mesure de 1 à 5, soit tout simplement des niveaux d'options et dans lesquels vous affectez des numéros, des chiffres. Et donc, à ce moment-là, l'équation deviendra une équation de structure et passera à une équation de mesure. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, vous pouvez utiliser un modèle dans lequel c'est un modèle mathématique, un modèle quantitatif, et dans lequel elle a été appliquée par des paramètres qualitatifs. Et donc, le logiciel SPSS, et notamment Amos, quand vous intégrez, donc Amos, c'est une extraction donc, au niveau SPSS, vous pouvez schématiser, bien sûr, le schéma que vous avez ici au niveau donc,
au niveau donc diamétriquement au niveau donc du logiciel. Il y a aussi Smart PLS. Smart PLS, c'est un logiciel qui permet de faire des équations structurelles et de vous donner un schéma d'équation structurelle qui vous donne les chiffres des hypothèses. Les chiffres que vous voyez ici, ce sont les indications d'hypothèse. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'il y a une influence ou pas? Est-ce que l'influence est positive ou négative? Vous voyez? Donc, effectivement, l'équation structurelle est à la base pour des analyses également qualitatives. Et je ne dis pas exclusivement qualitatives. Hein. Ça peut, pour le moins, être utilisé pour des aspects quantitatifs. Merci infiniment, cher professeur. Donc, je vais donner la main à Madame Samira Yagoubi pour qu'elle puisse poser sa question. Donc, bonne journée à vous tous. Merci pour cette inestimable communication. Donc, professeur, je voudrais, s'il vous plaît, vous demander une requête. Moi, je travaille sur la littérature. Je vais poursuivre à les figurations de l'ironie dans trois corpus chez trois écrivains dans plusieurs corpus. Donc, je compte utiliser la critique thématique. Ça veut dire la critique des thèmes. Je vais partir à la recherche des thèmes chez ces écrivains. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu que vous disiez qu'il y a certaines méthodologies qui sont révolues, qui sont anciennes, qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Donc, est-ce que cette méthode fait partie de celles-là, de celles-ci, qui sont, ça veut dire qui ne sont plus travaillées, et autre chose aussi. Comment pourrait-on classer la poursuite du discours ironique dans toutes ces œuvres, les analyser bien sûr, les interpréter et bien sûr, à la fin, les comparer, puisqu'ils appartiennent à trois cultures, françaises, subsahariennes et marocaines. Donc, quelle est la méthode? Donc, moi, je pense que c'est la méthode, ou plutôt c'est l'approche qualitative pour faire une comparaison entre les trois cultures, trois écrivains et aussi l'aspect ironique chez ces trois écrivains. Et merci. Merci. Merci pour votre question qui est très importante, très enrichissante. C'est très important de voir également les autres domaines, également les autres domaine scientifique, on pourrait expliquer pour le moins, parce qu'on est tous dans un point commun qui est tout simplement l'utilisation des méthodes et des outils. Et on est tous dans un point commun en termes de position et d'approche scientifique. Ça, c'est très important. Alors, pour répondre déjà à la première question en termes de méthode révolue ou non révolue, comme j'avais expliqué, là, il faut faire de la recherche sur les outils, les méthodes que vous utilisez. Ça veut dire que la méthode qui est utilisée, en termes, la méthode que vous utilisez, il y a toujours une référence derrière. Il y a toujours des chercheurs qui ont utilisé la même méthode. Et cette méthode, de savoir est-ce qu'il n'y a pas une méthode complémentaire ou c'est uniquement cette méthode qu'on peut utiliser. Parce que vous savez que quand on fait de la recherche, c'est aussi l'évolution de la recherche. Et l'évolution de la recherche, elle est liée avec le temps, elle est liée avec nos générations, elle est liée avec ce qui se passe actuellement, avec les nouvelles technologies, elle est liée avec les phénomènes qu'on vit actuellement. Ça veut dire que, en termes de la littérature, parce que je ne peux pas entrer vraiment profondément sur cet aspect, mais en fonction de vos données, c'est très important, vous allez travailler sur la figuration de l'ironie au niveau thématique. Donc, si je comprends très bien, il y a un aspect textuel. Déjà, il y a l'aspect, parce que ce sont trois écrivains, donc ça veut dire que vous allez vous baser sur des écrits. Ça, c'est très important, vous allez baser sur des écrits. Et également, vous allez vous baser sur le sens de l'écrit. Parce qu'il y a le côté de l'écrit, d'accord? Il y a le sens de l'écrit. Et là, juste pour vous dire qu'il est possible d'utiliser un aspect à la fois qualitatif, parce que c'est l'aspect purement qualitatif, au niveau du sens de l'écrit, je dis au niveau de ce que chaque écrivain essaie de s'orienter, de chaque écrivain essaie d'avoir quelle est sa philosophie de l'ironie. Parce que chaque écrivain a sa propre philosophie de l'ironie, ça veut dire que là, on est face à un aspect purement qualitatif, mais vous pouvez utiliser l'aspect quantitatif en utilisant la conception du texte, c'est-à-dire l'utilisation des mots, c'est-à-dire la rotation des mots. Ça, il faut comprendre que lorsque les écrivains, lorsqu'ils écrivent, et ça, il faut le comprendre, ils écrivent, mais avec mesure. Ça, il faut le comprendre.
C'est-à-dire même leurs écrits en termes donc de leur histoire et de leur culture sont mesurés en termes, bien sûr, de mesures littéraires. Les mots sont choisis. Voilà, juste pour vous expliquer, les mots sont choisis et sont bien placés pour expliquer une chose. Ça veut dire que la façon dans laquelle le mot est placé par rapport à un autre mot, ça peut se calculer. Mais ça peut se calculer en termes de rotation, en termes de répétition du mot utilisé. Et donc, en fonction des paragraphes et en fonction des différents chapitres que l'écrivain a dit en fonction de telle ou telle situation. Et ça, vous pouvez utiliser le logiciel NVivo. NVivo qui est un logiciel, bon, je ne vais pas dire NVivo uniquement pour, je ne fais pas de publicité, juste pour vous expliquer. Mais il y a plusieurs applications qui utilisent l'aspect qualitatif. C'est juste parce qu'on peut avoir des applications dans lesquelles on peut en fait utiliser, soit au niveau d'un collègue ou on peut sur Internet, sur l'aspect, on peut essayer donc d'observer la démo, ainsi de suite. Mais ce qui est très important, c'est que vous avez un logiciel qui peut analyser le texte. Alors pour vous, pour que vous faites une recherche au niveau de la littérature, ben c'est très important, pourquoi pas, utiliser un traitement de données qualitatif qui vous apportera certains éléments scientifiques au niveau de l'aspect de la littérature. Ça donnera un aspect non seulement d'une recherche, mais complémentaire et qui intégrera votre aspect de la littérature. Ça donnera non seulement une base de données qui apporteront des compléments pour vos hypothèses. C'est bon? Merci, professeur. Oui, merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Donc, je vais prendre la question sur le chat box de Mme Hafita Bosnichel. Est-ce qu'il y a un outil pour l'analyse des documents et le discours qu'elle référente, à savoir les représentations? Vous pouvez répéter la question? Ah, oui. En fait, quel outil pour l'analyse des documents et le discours qu'elle renferme, à savoir les représentations? Le discours qu'elle renferme, c'est-à-dire les documents? Je pense que oui, la documentation. La documentation, mais j'aimerais savoir sur quelle séance. Donc, ça a été une question sur le chat. Je passe à une autre. Du moment que pour cette question, j'aimerais juste savoir sur quelle séance, parce que c'est très important. D'accord. Madame Hafida, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation vraiment riche. Alors, ma question est... je voudrais savoir quel outil employer pour l'analyse du discours bien dans les documents, à savoir les manuels scolaires. Ça veut dire ma recherche va porter sur l'analyse du contenu et plus précisément l'interaction orale de les manuels scolaires. Et bien sûr, je vais analyser aussi bien les documents ou bien les manuels scolaires et bien évidemment les pratiques enseignants dans les salles ou bien en classe orale. Merci. Merci. Alors là, juste pour expliquer un certain point pour votre partie de recherche, parce que quand on parle de l'outil d'analyse de documentation, c'est très important, il faut faire la part de l'analyse des documentations scientifiques qui sont pour le moins au niveau de la recherche dans lequel on ne fait que la recherche au niveau des documentations. Et là, on l'utilise au niveau, donc sur certains aspects, certaines options au niveau de Web of Science et Scopus et la partie de EndNote, qui pourrait tout simplement voir l'aspect des citations pour analyser les citations de documentation scientifique. Mais pour l'analyse du contenu du document, et ça c'est très important, là, l'outil qui sera utilisé pour l'aspect de documentation, ça c'est très important. Là, je parle tout simplement de l'analyse qualitative. Quand on fait une analyse qualitative, c'est-à-dire les applications utilisées, ce sont les applications qui analysent le texte ou qui analysent les images. Comme j'avais expliqué ici, alors, ces applications sont utilisées par toutes les sciences. Voilà, juste pour vous expliquer ici, les applications que vous voyez ici, là, je passe juste à l'analyse qualitative, voilà. Les applications que vous voyez ici sont utilisées par toutes les sciences. Ça veut dire quoi? Ces applications utilisent l'analyse du texte, l'analyse d'image, l'analyse d'observation des concepts et l'analyse dans lequel chaque
organisation textuelle ou photographique a été placée. C'est pour cela que quand vous utilisez ces applications, elles vous donneront un aspect de l'aspect comment l'image a été placée, comment l'effet de couleur a été utilisé, quels sont les mots qui ont été appliqués et pourquoi ils ont été rendus de manière rotative. Et donc, ça vous permet par la suite, attention, parce que le travail, il est à la fois matériel et à la fois humain. Ça veut dire que le logiciel ou l'application, il vous donne le résultat en termes du nombre de concepts ou d'images placées ou de couleurs utilisées, mais derrière, il y a une analyse ou votre interprétation du contenu. D'accord ? Après, bien sûr, ça dépendra de chaque science, parce que il y aura peut-être des applications de sciences particulières dans lesquelles on leur permet des logiciels particuliers pour la littérature ou pour le contenu de l'enseignement, par exemple au niveau scolaire. Ça, c'est au niveau des approches méthodiques pour l'analyse des contenus au niveau des documents scolaires. Mais vous pouvez utiliser les applications qui sont purement au niveau qualitatif, qui permettent tout simplement de faire une analyse de la conception, du traitement de texte, des nuages de points, regardez une analyse d'image. Je sais très bien que les manuels scolaires, surtout quand vous parlez de primaire, secondaire et aussi du lycée, je comprends que ces manuels ont des images, ils ont des illustrations. Et donc, le logiciel d'application qualitative permet de faire ces analyses d'images et ça vous permettra d'utiliser ce traitement d'analyse, que ce soit pour NVivo, que ce soit pour Atlas ou Max Cadecta. Donc il y en a plusieurs. Il y a des logiciels qui sont téléchargeables comme des logiciels dans lesquels, c'est vrai, ils sont délimités par des démonstrations, mais dans lesquels vous comprenez qu'il y a des logiciels qui permettent de faire cette analyse au lieu de faire une analyse d'interprétation manuelle ou d'interprétation de jugement. Merci infiniment, professeur. Je vais donner la parole à monsieur Lamari Yassine pour qu'elle puisse poser sa question. Monsieur Lamari, à vous la parole. Monsieur Yassine, êtes-vous présent? Donc, sinon, je passe à la prochaine personne, c'est Madame Nassima Louazani. À vous la parole. Bonjour, professeur. Bonjour, chers chercheurs. Tout d'abord, je vous remercie, professeur, pour toutes ces informations. Je les trouve vraiment, ils donnent de la valeur ajoutée. Alors, j'ai quelques questions. La première question, je veux savoir, est-ce que lorsque vous dites l'axe théorique, vous voulez dire par ça le modèle théorique? Et lorsque vous présentez l'axe empirique, vous voulez dire l'axe, le modèle conceptuel? Et ma deuxième question, c'est est-ce que dans la rédaction de notre rapport de thèse, on peut diviser la thèse en deux parties et par exemple donner à la partie 1 le titre de « Axe théorique » et sous cette partie, on aura tous les chapitres qui en découlent. Et pour la partie 2, est-ce qu'on peut la nommer comme « Axe empirique » Voilà. Merci. Merci pour votre question. Alors, pour répondre d'abord à la première, ça c'est très important. Alors, quand je spécifie l'axe théorique, je parle de l'axe référentiel, c'est-à-dire, pour le moins, le modèle théorique et conceptuel. Parce que le référentiel, l'axe théorique, c'est la base des références des articles scientifiques, en fait. C'est là où vous placez toutes les définitions, les caractéristiques, les variables, les approches, les théories qui ont parlé de votre objet de recherche, et vous terminez par une conceptualisation ou un modèle conceptuel. C'est ce modèle conceptuel qui a été déterminé à la base par les références théoriques et qui sera repris dans une troisième partie, parce que là, je vais répondre également à la deuxième question. Il n'y a pas deux parties, mais il y a trois parties. Si vous comprenez très bien, et ça c'est très important, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une troisième partie dans laquelle vous parlez de la méthodologie. Mm-hmm. Ça, il faut le comprendre. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié au niveau donc, de mon plan de présentation, mais je l'ai expliqué à l'intérieur de la présentation pour dire qu'entre la théorie
et le cadre empirique, il y a la méthodologie à l'intérieur. Ça veut dire que la méthodologie... Par exemple, ça veut dire quoi la méthodologie? La méthodologie, c'est-à-dire que vous devez nous expliquer en une partie ou en ça dépend, est-ce que vous choisissez par partie ou choisissez par chapitre? Ça dépendra. Si vous choisissez par partie, ça veut dire que vous déterminez en une partie toute votre méthodologie. Ça veut dire comment vous avez déterminé vos résultats. Par quels moyens? Quels sont les outils? Les références bibliographiques, pourquoi vous les avez choisies? Quelle est votre position épistémologique? Quelle est votre problématique? C'est là que vous expliquez votre problématique, c'est là que vous expliquez quelles sont les hypothèses, les variables que vous avez choisies, pourquoi ces variables et pourquoi pas d'autres, quelles sont les limites de votre recherche, quels sont les outils que vous avez utilisés, quel sera le traitement que vous aurez à utiliser, la démarche dans laquelle vous allez suivre, les étapes du cadre empirique. En fait, grosso modo, la méthodologie vous explique, vous dites, vous répond à la question, comment vous avez fait votre recherche? Voilà. D'accord. Oui. Parce que le cadre théorique, c'est quoi la question du cadre théorique? C'est quoi la base de votre recherche? C'est ça la question au niveau du cadre. C'est quoi la base de votre recherche? La méthodologie, elle vous pose la question. La méthodologie, elle vous pose la question, comment vous avez fait votre recherche? Et le résultat, ou plutôt l'empirique, elle vous donne, c'est quoi les résultats? Voyez, voyez le cadre. Et ça, oui. ça devient une démarche scientifique. Et là, oui. juste pour vous expliquer que quand je parle de l'axe théorique, c'est le modèle théorique qui introduit bien sûr le modèle conceptuel. Parce qu'à la fin du modèle théorique, il y a le modèle conceptuel. Mais le cadre empirique, ce n'est pas le modèle conceptuel. Le cadre empirique, ce sont les résultats. C'est les résultats que vous avez dégagés à travers la base de ce modèle conceptuel que vous avez dégagé au niveau de la base des de données. D'accord, professeur, c'est clair. Maintenant, j'arrive à faire la différence et j'arrive à voir comment je peux structurer ma démarche scientifique. Mais pourtant, je n'arrive pas à assimiler la différence entre le cadre théorique et le conceptuel. Je vois qu'ils font référence à la même chose. Ce n'est pas la même chose proprement parlée, mais ils sont complémentaires. Voilà. On ne va pas dire qu'ils sont indépendants. Non. Sont pas indépendants, sont complémentaires. Je vous explique. Le modèle théorique, vous regroupez l'ensemble des éléments théoriques référentiels, c'est-à-dire ce que les autres chercheurs ont déterminé en termes de base théorique, c'est-à-dire les références bibliographiques, c'est-à-dire d'articles scientifiques sur le sujet, d'accord? C'est-à-dire vous regroupez l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce sujet. Mais sachant que ces personnes, bien sûr, attention, ils sont vraiment scientifiques dans le domaine et qui sont dans le domaine de la chose dans laquelle vous voulez travailler, et vous regroupez un modèle théorique dans lequel il y a différentes théories selon les chercheurs. Oui. D'accord? Oui. À la base de ce modèle que vous avez cherché, et en fonction, bien sûr, de votre problématique, parce que ça dépendra des variables que vous avez choisies. Normalement, quand vous faites un modèle théorique, le modèle théorique est à la base des variables que vous avez choisies. Vous avez dit que vous allez travailler sur la confiance et la culture. Alors, vous construisez un modèle théorique sur la confiance et la culture. Et on est bien d'accord. Après, une fois que vous terminez avec ce modèle conceptuel dans lequel vous avez déterminé l'ensemble des théories sur la confiance et la culture, vous dégagez un modèle conceptuel relié à votre problématique. C'est la relation de concept. Le modèle conceptuel, en fait, le modèle théorique, c'est la relation de théorie. Alors que le modèle conceptuel, c'est la relation de concept. Est-ce que le concept confiance est lié au concept culture? Ah, ok, d'accord, oui. Vraiment, c'est pas une grande différence, mais ils sont complémentaires. Ça veut dire que le modèle théorique, vous regroupez l'ensemble de la théorie sur la culture et l'ensemble de la théorie sur l'engagement. Et le modèle conceptuel, vous reliez la relation. Est-ce qu'il y a une relation entre la confiance et l'engagement? C'est ça le modèle conceptuel. Oui, j'ai compris. C'est comme relation si on est entre concepts. Oui.
On est en train de dégager la relation entre les concepts qui sont à la base de notre problématique. Exactement. Et qui est à la base des théories que vous avez déterminées. Oui. D'accord? Oui. C'est clair. Donc, Merci beaucoup, c'est ça professeur. Oui. Le lien. Merci, Oui, je vous oui. remercie. Merci. Merci, professeur. Je pense que maintenant, on va passer à la dernière question avant la clôture de cette matinée. Donc, je donne à nouveau la parole à Monsieur Lamarie Yassine pour qu'il puisse poser sa question. Oui, bonjour, chers professeurs, chers collègues. Donc, tout d'abord, merci, cher professeur, pour cette pertinente présentation. Pour les questions, j'ai deux questions, en fait. La première question, je voudrais savoir la différence, si vous voulez, entre un positionnement positiviste et un positionnement post-positiviste. Ça, c'est la première question. Concernant la deuxième question, c'est au niveau de l'évaluation à travers les équations structurelles. Donc, à l'étape de l'évaluation du modèle de structure, donc j'ai trouvé dans les recherches qu'il y a des auteurs qui travaillent sur certains indicateurs, à titre d'exemple, le coefficient de détermination R carré, le GOF, le F2, le Q2, etc. Et il y en a d'autres qui travaillent sur le RMSE. Donc, il y en a plusieurs méthodes. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous proposez que j'inclue dans ma recherche doctorale, donc les indicateurs que je vais utiliser pour évaluer le modèle de structure sur les équations structurelles. Merci, cher oui. professeur. Oui, j'aimerais juste savoir sur quelle science vous travaillez. Science de gestion, en entrepreneuriat. En entrepreneuriat. Oui, exactement. Donc, j'ai deux variables qui sont qualitatives et que j'essaie de mesurer à travers les variables deux manifestes variables et les variables mesurées. D'accord. Deux variables oui. Ces deux variables qualitatives sont quoi? Les variables. Oui. Donc l'orientation marché avec la performance des PME. L'orientation des marchés. L'orientation marché, c'est l'orientation vers le marché et son impact sur la performance des petites et moyennes entreprises marocaines. Petites et moyennes entreprises marocaines. Oui, donc, et même d'autres variables intermédiaires, médiatrices, modératrices, etc. Comme l'orientation entrepreneuriale et l'orientation vers l'apprentissage organisationnel, ce sont deux autres variables que j'essaie d'introduire au sein du modèle. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, juste pour répondre à la première question, donc ça c'est très important, la différence entre un positionnement positiviste, c'est ça, et post-positiviste. Alors déjà, pour comprendre la différence, il faut comprendre d'abord le positivisme. De quoi il s'agit? Il faut comprendre que le positivisme, il est à la recherche de la réalité, de l'existant. D'accord? C'est-à-dire ouais. qu'on se met à la base de théories, d'accord? On se met à la base de théories, de recherches qui ont été réalisées auparavant, et on essaie de voir, est-ce que cette recherche qui a été réalisée dans un endroit particulier ou dans un élément particulier, est-ce que chez nous, dans le cadre empirique, est-ce qu'il est confirmé? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe? Ça, c'est du positivisme. C'est-à-dire que tu essaies tout simplement de déduire la réalité selon un aspect théorique. D'accord? Par ouais. contre, le post-positivisme, rien que dans le mot post, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'avancement du positivisme. C'est un post-positivisme. Vous comprenez? Ça veut dire que son objectif, il critique et il modifie le positivisme. D'accord. C'est-à-dire que quand tu fais une déduction de la réalité, ça c'est le positivisme. Mais le post-positivisme, il arrive à dire que ce que tu as trouvé qui n'est pas existant ici, il peut être existant dans un autre endroit. Donc il le critique, mais il le transforme en des paramètres. Il te dit, voilà, la déduction que tu as fait pour cet endroit, ça ne marche pas, mais si tu rajoutes un paramètre, ça va marcher. Je donne un petit exemple. Tu as une problématique et tu veux la déterminer au niveau de la réalité. D'accord? Tu veux la confirmer dans la réalité. Ouais. Tu as utilisé deux variables. D'accord? Ouais. Et quand tu as cherché au niveau des résultats, tu n'as pas trouvé le résultat. Donc, c'est infirmé ou confirmé? Ouais, confirmé. Confirmé. Ouais. Je peux utiliser la même problématique en rajoutant une variable supplémentaire ouais, et je ouais. confirme le résultat. Je confirme ouais. le résultat. Alors que, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai critiqué. Mais je t'ai critiqué ouais. dans le positivisme. Et ça reste, ouais. c'est la même démarche.
Sauf que c'est la critique d'un positiviste antécédent. Oui. Vous voyez ? L'absence d'une certaine objectivité, oui. Exactement. On n'est pas objectif, là. Exactement. On n'est pas, on critique l'objectivité que tu as déterminée auparavant et en transformant une variable ou en rajoutant une variable. Oui, oui. Merci, cher professeur. Pour la deuxième question, juste pour la deuxième question, parce que vous avez parlé d'équations structurelles, c'est très important. Oui. Et vos paramètres, vous avez dit que vous utilisez des paramètres qualitatifs. On est bien d'accord. Exactement. Oui. Vous pouvez me rappeler juste les paramètres qualitatifs, juste un ou deux. D'accord. L'orientation vers l'apprentissage et son impact sur la performance des PME marocaines. Attendez, orientation de l'apprentissage, c'est ça ? Vers l'apprentissage. Vers l'apprentissage. Orientation. Voilà, et son impact sur la performance. Et l'impact de la performance. OK. Oui. Alors, déjà, juste pour vous expliquer, parce que quand on parle d'apprentissage, l'apprentissage, on le comprend, c'est une variable purement qualitative. Qualitative, oui. Mais la performance, attention, la performance, pour le moins, elle est calculée en termes d'indicateurs. Ouais. Donc, c'est une variable purement quantitative. Ouais. Dire que je vais mettre le lien de l'orientation de l'apprentissage vers la performance, alors la question est la suivante. Comment je calcule la performance ? Déjà, le mot performance contient trois concepts. L'efficacité, l'efficience et la pertinence. Ouais. L'efficacité, l'efficience et la pertinence. Ces trois concepts sont déjà calculés par des indicateurs. Ça veut dire qu'en gros, généralement, si je résume, la performance, si tu veux déterminer la performance, c'est un indicateur. Donc, ouais. L'indicateur, il est purement quantitatif. On est bien d'accord. On dit que. Alors, ici, professeur, et c'est pour l'évaluation de la performance. Nous avons suggéré d'évaluer cette performance en termes d'indicateurs subjectifs, c'est-à-dire le niveau de performance atteint par l'entreprise par rapport à ses principaux concurrents dans le marché. C'est-à-dire, on essaie de mesurer cette performance à travers des indicateurs subjectifs. Par exemple, on pose la question sur le questionnaire, est-ce que votre entreprise, durant ces trois dernières années, comment vous estimez le niveau de le niveau, par exemple, comment vous estimez la croissance de vos ventes durant ces trois dernières années ? Le niveau, est-ce qu'il est fort, faible, sur une échelle de Likert, de 5 points ? J'ai compris maintenant. Ça veut dire que vous ne travaillez pas sur des performances objectives, mais vous essayez de travailler sur des performances subjectives. Exactement, sachant que, attention, la performance subjective n'explique pas, bon, on va l'admettre, réellement, ouais. Vous pouvez vous orienter votre recherche sur les performances selon des indicateurs subjectifs, ça je peux vous l'admettre, d'accord, ouais. Mais vous comprenez que les performances sur des aspects objectifs sont plus probants que les performances subjectives. Sauf qu'en utilisant les équations structurelles, là, vous pouvez utiliser cet aspect. Mais sauf que la performance sera selon un aspect qualitatif. Mais vous devez dire que vous devez expliquer que c'est une performance subjective. Ouais, mais j'aimerais savoir, et ça c'est très important, parce que quand vous dites performance subjective, mais sur quel aspect de la performance au niveau de l'entreprise subjective ? Trois aspects, la performance commerciale, la performance vis-à-vis des clients et la performance financière. Et chaque type de performance, elle a été mesurée par trois indicateurs de mesure qui sont déjà validés et testés dans la littérature. Nous n'avons pas exploré ces variables, donc, mais... Voilà, déjà, il y a une base théorique. Théorique, oui, il y a une base théorique, exactement. Bon, c'est parfait. Donc ça, pour le moins, vous pouvez suivre cette orientation, mais vous pouvez utiliser l'outil de la méthode des équations structurelles. C'est très important. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous avez deux aspects qualitatifs dans lesquels, à travers le questionnaire, vous allez transformer les paramètres de ces aspects qualitatifs en des questions quantitatives, soit par des échelles de mesure, des échelles de Likert de 1 à 5, ça serait mieux d'utiliser de 1 à 5 au lieu de 1 à 7. Bon, ça dépendra en fait des questions. Et d'utiliser, bien sûr, des questions de oui et non, c'est-à-dire de 0 et 1. Mais puisque vous utilisez toutes les questions par 1 à 5, soit vous les standardisez de 1 à 5, soit vous les standardisez par oui et non. Mais dans ce cas-là, je pense que puisque vous calculez le niveau de performance, ça serait mieux une échelle de Likert de 5. Voilà, de 5. Exactement. Et les équations structurelles, c'est un outil qui sera plus efficace pour votre analyse. Sauf qu'il va falloir, bien sûr, que vous traitez le logiciel
soit Amos, c'est-à-dire vous avez Smart, SPSS. Je travaille avec Smart, Smart, Smart PLS. Smart PLS. Smart PLS, voilà. Smart PLS, c'est plus simple. Mais vous avez aussi Amos de SPSS. C'est-à-dire vous téléchargez SPSS et il y a l'extraction de Amos qui sera introduit également sur. SPSS peut faire également les équations structurelles, mais effectivement, moi, je dis aux doctorants et aux chercheurs, bien sûr, à d'utiliser, bien sûr, Smart BLS, c'est plus simple et c'est plus facile à manipuler. Voilà. D'accord. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci, cher infiniment. Merci infiniment, cher professeur. Donc, j'aimerais juste informer les participants que voilà, les ateliers qui vont se dérouler lors de cette conférence vont être enregistrés et publiés sur notre chaîne YouTube, sur lesquels ils peuvent en fait valider leur présence via un petit commentaire et aussi s'ils ont en fait besoin d'avoir plus d'informations par rapport à la présentation, par rapport aux informations, ils peuvent revoir ces vidéos sur la chaîne YouTube. Encore par rapport à la participation aux sessions, j'invite en fait les participants à respecter leur session, à être présents et bien évidemment à participer aux discussions lors de déroulement des communications. Merci infiniment encore une deuxième fois, cher professeur. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session de la matinée. Merci beaucoup. Oui, je remercie l'ensemble des participants ici présents, très constructifs et très appliqués au niveau de leur recherche, que ce soit pour toutes les sciences ici considérées. Je remercie également l'ensemble du comité d'organisation qui a dû faire l'efficacité en termes de l'organisation du travail à distance et de l'organisation, et que je pense également au niveau présentiel. Et je vous souhaite également très bon courage pour votre recherche. Et le seul élément dans lequel je vais m'arrêter, un seul mot, ne vous arrêtez pas. Voilà, la recherche ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Infiniment. Merci encore, cher professeur. Bon courage à tout le monde et bon déroulement de cette conférence. Merci beaucoup. Merci.